Merci beaucoup, Francesca. Merci pour ton accueil chaleureux, pour ton accompagnement. Merci aussi à l'équipe du ZEF, la scène nationale de Marseille, d'avoir si bien préparé, avec un tel engagement, une telle efficacité, cette rencontre. C'est grâce à vous que cette journée peut se tenir, que ces réflexions peuvent être partagées, et je voulais vraiment vous en remercier. J'ai d'autres remerciements à faire. Ils s'adressent également à la ville de Marseille, à l'université d'Aix-Marseille, à l'agence Art Sud également, à la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, et puis à Marcel également, le média des solutions, pour leur soutien à l'organisation de cette journée. Je voudrais aussi remercier les contributrices et les contributeurs de la journée, des ateliers, les intervenants également. Et puis, permettez-moi aussi d'adresser un petit signe ou un grand signe de remerciement à mon équipe, celle qui est là aujourd'hui, Laetitia Boulle, et puis toutes celles et ceux qui ne sont pas là, mais qui nous ont aidés à préparer cette journée. Et plus que cela, ce tour des territoires que nous avons entrepris au début de l'année 2020, qui a été très perturbé durant cette année 2020, qu'il est encore, comme vous pouvez l'imaginer. Ce grand tour des territoires que nous voulions organiser à l'occasion du 30e anniversaire de l'Observatoire des politiques culturelles. Alors, ce n'était pas pour célébrer l'Observatoire, mais c'était plutôt pour poser quelques grandes questions qui traversent aujourd'hui la société. Et peut-être en regardant du côté des arts et de la culture, quel type de questions, quel type de réponses aussi on peut trouver dans ces espaces-là. Alors voilà, nous sommes allés à Nantes, à Bordeaux, à Lyon, à Metz, aujourd'hui à Marseille, et puis demain, bientôt, à la fin du mois, pour une sorte de conclusion qui n'en sera pas une, eh bien à Grenoble. Alors, ce tour, pourquoi ? Je voudrais en dire juste quelques mots. Eh bien, pour nous demander, dans cette période de grande transformation que nous connaissons et qui comporte évidemment des dimensions multiples et qui semblent aujourd'hui se relier de plus en plus les unes aux autres. Ces grandes transformations, elles sont d'ordre écologique, elles sont d'ordre numérique, d'ordre démocratique aussi, d'ordre civilisationnel peut-être aussi, comme le dirait et comme le dit Edgar Morin. Eh bien, dans ce contexte-là, dans ce contexte aussi sociétal, qui nous apparaît souvent fragmenté, qui est traversé par toutes sortes de fractures sociales, culturelles, cognitives aussi, numériques, territoriales parfois aussi, eh bien, comment envisager, au-delà de ce contexte, quelque chose de l'ordre d'une politique de la relation, cette expression que nous empruntons à Édouard Glissant. Une politique de la relation qui trouverait à se nourrir d'art et de culture, en tout cas qui trouveraient à se nourrir davantage d'art et de culture, et surtout qui se trouveraient à se nourrir de leur partage. Alors aujourd'hui à Marseille précisément, et précisément dans cette ville, dans ce territoire, eh bien, nous avons souhaité nous demander s'il ne serait pas possible d'écrire un autre récit de la diversité, un récit dans lequel la diversité serait conçue comme une véritable ressource pour faire cité. Dans le respect de l'autre, cela va de soi. Et si jamais cette notion d'autre a un sens, d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, et puis dans le respect, évidemment, de la règle commune. Alors, il se trouve que le sujet de la diversité, particulièrement depuis 3 ou 4 décennies, est beaucoup discuté en France et un peu partout dans le monde. Ce sujet, il a connu de notables évolutions, je dirais, dans les représentations que l'on en donne. Il se trouve que ce thème de la diversité, comme celui des identités d'ailleurs, n'a cessé de se pluraliser finalement avec le temps tout au long de cette période. Alors, à quoi ces thématiques peuvent toucher ? Eh bien, peut-être à la question des sexes, à la question des genres, à la question du handicap aussi, à la question des origines revendiquées ou attribuées, des religions, etc., etc. Alors, on a voulu se demander, mais ce surgissement de ce questionnement, qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il nous dit de la société d'aujourd'hui ? Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit aussi de la question de la différence ? Là encore, j'emploie ce mot avec prudence, mais
Voilà. Qu'est-ce que cela nous dit de la différence et de la prise en compte de la différence dans la société d'aujourd'hui? Autre question, à quelles conditions la reconnaissance des identités peut-elle se concilier avec le vivre ensemble et même le faciliter? Est-ce un signe de force ou un signe de faiblesse de revendiquer hautement son identité? Et puis comment concilier parfois toutes les identités qui habitent au fond chacune et chacun d'entre nous? Et puis enfin bien, comment faire de la diversité en effet cette ressource pour faire citer? Alors, deux tables rondes dans un instant vont se succéder pour tenter d'apporter des éléments de réponse à ces questions ou pour finalement les illustrer à travers des expériences qui seront évoquées par les uns et les autres. Et pour conclure cette introduction, je voudrais vous livrer deux pensées parmi d'autres qui nous ont inspirés. La première, elle est de Leonora Miano. Leonora Miano, c'est une femme de lettres. Elle est romancière, elle est essayiste, elle a publié récemment un livre merveilleux qui s'intitule Afropéa. Et j'ai retenu cette phrase dans Afropéa. Elle dit « La couleur ne fait pas d'identité, l'origine ne peut être la destination. » Et puis, cette autre pensée, cette fois-ci d'un autre écrivain, romancier lui aussi, essayiste lui aussi, Patrick Chamoiseau. Patrick Chamoiseau dit ceci dans l'ouvrage qui s'intitule « Frères migrants ». Les mondes multiples se percevant autonomes et se croyant étanches n'existent que dans les stases de nos imaginaires. Voilà, deux pensées très courtes, mais je crois très parlantes, et c'est à travers ces pensées qu'on a voulu aussi organiser la réflexion qui nous rassemble aujourd'hui. Je vous remercie vivement de votre présence. C'est vrai que nous aurions aimé que le public soit infiniment plus nombreux, mais c'est déjà une joie de nous retrouver, de pouvoir passer ces moments de dialogue et d'échange. Natania, je te laisse la place. Ça marche ? Ça marche. Bon, je ne vais pas me représenter puisque Francesca l'a fait de belle façon tout à l'heure. Je la remercie vivement d'avoir pensé à moi pour animer cette première table ronde que nous espérons constructive, pleine de récits et d'expériences qui pourront alimenter le débat et le propos de cette journée. Alors, avec moi, j'ai quatre témoins, je peux vous appeler des témoins, en fait, de ces politiques culturelles et de ces envies. Alors, je vais commencer par ma gauche. Alors, c'est ceux qui ont fait des voyages pour venir jusqu'à nous aujourd'hui. Venus de Grenoble, il y a Ali Adjilali, j'en ai mis un trop. Non, c'est bon. Donc, qui est... écrivain, auteur de pièces de théâtre, metteur en scène et comédien. Vous faites pas mal, si j'ai bien compris, de solos où vous racontez, bon, on y reviendra tout à l'heure, qui sont souvent un peu autobiographiques en partie, en tout cas. À côté de moi, j'ai Ilaria Turba, qui vient de Milan, qui est une artiste plasticienne visuelle. Alors, vous nous expliquerez tout à l'heure ce qu'est une artiste visuelle et qui a une belle histoire aussi avec le Merlan, puis aujourd'hui le ZEF, puisque ça fait 3 ans que vous êtes artiste associé. De l'autre côté, à l'extrême droite, il y a Marc Rosmini, qui est agrégé de philosophie, qui est enseignant plutôt dans les quartiers nord de Marseille, dans les REP, qui anime par ailleurs des cafés philo, des ciné-philo, donc qui est très investi auprès de publics très différents, qui a aussi écrit plusieurs ouvrages, on sera peut-être amené à en parler. Et puis à côté de moi, j'ai Jean-François Chounier,
donc, qui est le directeur du MUCEM, le Musée des civilisations de l'Europe et des Méditerranées, donc, qui est un musée qui a été ouvert en 2013 quand Marseille s'était retrouvée capitale de la culture, capitale européenne de la culture. Alors, déconfiner les cultures, s'ouvrir à l'autre, réinventer le lien social, tout un programme. On va essayer de dégager un peu quelques idées tous les quatre, enfin tous les cinq, mais ce va être surtout vous que je vais faire travailler. Il y avait cette terminologie de déconfiner. Donc, c'est vrai que le déconfinement, aujourd'hui, c'est un mot un peu galvaudé, puisqu'on l'attend tous. On ne l'a pas pris comme tel, hein, déconfiné quand même ici. On imagine bien que c'est décloisonné, désenclavé, démocratisé, c'est essaimer, s'ouvrir à d'autres territoires. Donc on va un petit peu voir justement peut-être avec vous comment on peut avancer dans cette direction et comment on peut amener l'autre ou aller vers l'autre selon les circonstances. Alors, d'accord, c'est nous qui les faisons tout de suite ? D'accord. Ah bon, on va continuer. D'accord. Alors, en préambule, on va d'abord procéder à la restitution de deux des ateliers qui ont eu lieu ce matin, les ateliers 2 et 4. Alors, je ne sais pas qui s'en charge. Alors l'atelier 2, c'était « Qu'est-ce que la crise sanitaire nous apprend de notre rapport à l'autre ?» Avec la lumière. Bon, bonjour à tous, donc, je m'appelle Jean-François Régazy, je suis médiateur culturel au centre d'El Rio La Vista. J'essaie d'avoir un débit assez rapide parce que je sais que j'ai très peu de temps. Le Martine Robin du château de Servières, la directrice, a pris beaucoup de notes, dans une grande dextérité d'ailleurs, et c'est vraiment très humblement que je m'approche à ce micro pour faire la restitution de cet atelier numéro 2 qui a été mené par Aude Vandenbrugge de la Cité des Arts de la Rue et mon camarade qui va se présenter. Vincent Patten, étudiant en sociologie. Voilà, donc nous étions 17 participants, acteurs du lien social, enseignants, artistes, personnel des structures culturelles, et donc on a travaillé autour de cette thématique. Ça a été très riche. Et je vais essayer très brièvement d'en retirer une certaine synthèse. En deux parties, disons que ça a été organisé cette matinée. La première partie, c'était après un tour de table des 17 participants, nous a demandé une image qui évoquait ces périodes qu'on vient de vivre cette année assez particulière. Et la deuxième, en fait, alors une image évidemment positive ou négative, hein, l'histoire du blanc et du noir. Et puis également, en deuxième partie, c'était plus sur les réflexions qu'avait amené par rapport à cette thématique, qu'est-ce que la crise sanitaire nous apprend de notre rapport à l'autre. Donc, dans les images plutôt positives qu'il y avait, évidemment, ça a été beaucoup axé sur la distribution alimentaire et sur les différents modes de solidarité qui se sont mis très vite en place, finalement, de façon presque spontanée face à la crise, et la capacité aussi d'auto-organisation des lieux à s'auto-gérer eux-mêmes. Dans les choses assez positives aussi, alors évidemment ça va vite, hein, tout ce que je dis, mais c'est la faculté des seniors, du public senior. Je ne sais pas si on doit encore employer ce terme aujourd'hui, parce que je sais que les néologismes dans ce monde-là évoluent beaucoup. Moi je dis encore les seniors, je trouve que c'est très beau. Et donc de la capacité à se mettre à l'informatique, par exemple. Hein, donc ça a été aussi dans les choses plutôt positives. Ensuite, la capacité des salariés à s'adapter par rapport à leur contradiction entre leur lieu de travail, par exemple. Un exemple tout bête, les centres sociaux, acteurs du lien social. Hein, donc là, on était fermés, on ne pouvait plus s'approcher de l'autre, donc c'était difficile. Et évidemment, le lieu emblématique où nous sommes, les théâtres fermés, qui par essence sont des lieux où on se rencontre, où on échange. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait beaucoup de choses, hein, dans les... Oui, la capacité aussi spontanément, par exemple, dans les quartiers. Moi, je travaille sur le quartier de la Viste, dans le 15e arrondissement. C'est très au nord de Marseille, c'est assez enclavé. Et spontanément, bon, les antennes du Secours populaire qui s'étaient arrêtées, des bénévoles ont repris ça, justement, parce que
lors de la première, du premier confinement, c'était des seniors, et donc ils ne pouvaient pas être là parce qu'on ne savait pas trop si c'était des personnes à risque ou pas. Et donc, spontanément, des bénévoles se sont présentés. Et dans les centres sociaux, on a fait de la distribution alimentaire. Alors après, de l'autre côté, ben, les images un peu négatives qui ont pu, à la fois c'était la demande de l'autre, c'était des images qui nous évoquaient le bon ou le mauvais, et qui nous interpellaient ou qui nous interrogeaient, tout simplement. Ben, c'est la file d'attente des étudiants devant les banques alimentaires, devant les restos. C'est la crise qui révèle aussi une grande violence et une inégalité de plus en plus criante dans les quartiers. La difficulté des jeunes à s'adapter. Je reviens aussi, vous voyez, je vais faire un retour en arrière dans les choses très positives. Par exemple, dans un centre social, des jeunes avaient constitué une cagnotte pour faire un voyage à l'étranger. Ben, cette cagnotte, ils l'ont mis, donc ils avaient récolté de l'argent en gros, hein, ben, ils l'ont mis pour acheter des denrées alimentaires. Donc voilà des beaux gestes de solidarité. Ensuite, dans les aspects négatifs, l'impact écologique, hein, les gants, les masques, les papiers en tout genre qui jonchent le sol de notre belle cité radieuse. Donc aussi, de la part d'un enseignant, directeur d'école dans le quartier, qui disait la gêne, le rapport à la pudeur, la honte des familles, tout à coup de se retrouver à un enseignant qui n'était plus là dans son rôle de transmettre un savoir, mais simplement de faire une distribution alimentaire, d'être face à lui. Il y a un rapport à la pudeur, ça aussi. C'était peut-être dans le... la crise sanitaire, ce que je disais, l'a mis encore plus en évidence, encore plus dans une ville comme Marseille, je trouve. D'ailleurs, l'élu à la culture qui nous a rejoint était d'accord dans ce sens-là avec nous. Ça a mis en exergue la crise économique et inégalitaire, mais à la fois, ça a mis un élan de générosité assez incroyable. Donc, notre rapport aux autres dans le travail a changé. Hein, notre facilité, oui, à interpeller un peu plus les partenaires comme un réflexe, finalement, hein, de se dire, on accepte un peu moins toutes les décisions qui viennent d'en haut et on les prend plutôt collectivement et finalement, on se débrouille pas trop mal. J'espère que, je ne schématise pas trop tout ce qu'on a dit dans des termes beaucoup plus érudits que ce que je peux dire actuellement, mais je vais vite. Les artistes ont dit de convoquer, très belle phrase, convoquer les expertises extérieures, c'est-à-dire sa propre vérité artistique est exportable et doit interroger l'autre, hein, en fait. Comme finalement, les artistes, une partie de leur travail, c'est bien sûr d'aller dans l'autre, de travailler avec des centres sociaux, avec des écoles, mais aussi, par exemple, pour des comédiens, pour des metteurs en scène, c'est de travailler dans un théâtre. Donc ça, on ne peut plus le faire. L'autre activité prend toute la place. Et très intéressant, pas tant de se remettre en question en tant qu'artiste, mais d'aller se confronter à l'autre et de dire, bon, alors, qu'est-ce que tu en penses, tiens, on ne s'est jamais rencontré. Enfin, des choses comme ça. Et j'ai trouvé très beau cette phrase, les expertises extérieures. Je suis trop long, non, c'est ça? Oui, je vais terminer. C'était encore une fois très riche. Penser les choses sur le long terme, par exemple, en termes de climat, c'est sur le long terme, mais pourtant, cette véritable joie qu'on a tous aujourd'hui à agir dans l'instant, c'est-à-dire de faire des choses, d'amener un groupe de jeunes dans une médiathèque, voir une exposition en extérieur, et on se dit, ça, on l'a pris. Et la boucle est bouclée. C'est un peu comme la distribution alimentaire. On sait bien que ce n'est pas une fin en soi, mais quand on a faim, on mange, on est rassasié. Là, c'est pareil. On assiste à une conférence en extérieur, on voit une exposition. Aujourd'hui, on a pris ça. On peut refermer une porte, demain, on ouvrira une autre, on ne sait pas. On va sur le... Et l'idée aussi que, de toute façon, notre rapport au temps avait complètement changé. Et ça, c'est inhérent. Et ça va durer. Hein, voilà. Et je pense que, finalement, il y a une bonne balance entre tout ce qui était un peu négatif, mais qui va finalement, forcément, déboucher sur quelque chose de beaucoup plus clair, je pense, à l'horizon. Il va falloir s'adapter. Merci beaucoup, j'étais bavard, mais j'ai dit que la centième de ce que toutes les choses intéressantes de ces 17 participants de cet atelier ont pu dire. Merci beaucoup. Merci. Restitution de l'atelier de la table 4. Comment peut-on vivre ensemble si on est invisible pour les autres? Merci, j'allais redire la phrase. C'est parfait. J'avais envie de démarrer par une toute petite anecdote autour de Franck Lepage, si certains le connaissent. Donc tous les mots de co-construction, participation, etc. Ce sont des mots sur lesquels on s'est interrogé pendant,
pendant l'atelier, en se disant que ce vocabulaire méritait d'être réinterrogé et qu'en tout cas, ce n'est pas parce que ces mots existent qui font que les problèmes qui sont derrière disparaissent. Ensuite, les choses qui ont été dites, je crois, de la manière la plus claire, c'est la question de la relation, et avant même la relation, le temps. C'est-à-dire que pour rencontrer l'autre, il faut le temps de le rencontrer, et le temps de faire relation avec lui, le temps de la surprise, de la découverte, et le fait que pour rendre l'autre, pour quitter une forme d'invisibilité, ou d'invisibilisation, il y a effectivement le fait de, je rebondis sur le mot qui a été donné, c'est quoi la différence, c'est quoi le commun, et comment en tout cas ce chemin n'est lié, ne peut être effectif que par le temps, on l'a dit beaucoup, c'est pour ça que je vous le répète beaucoup, que par le temps et par la relation, et par le temps qui est donné à la relation, et quelque chose qui nous surprendrait, c'est-à-dire ne pas arriver avec quelque chose de tout ficelé, et de tout, on sait ce qu'on va faire, même si on ne connaît pas les gens avec lesquels on va le faire, mais on a peut-être une idée, et puis c'est à partir du moment où on rencontre les gens avec lesquels on va faire quelque chose, que le temps et la relation prennent sens. Et l'autre chose, c'est le lien, pour vivre ensemble, pour que ce vivre ensemble puisse exister, c'est d'abord faire ensemble. On s'est dit tout bêtement que ce matin, on était ensemble parce qu'on avait, de manière individuelle et de manière collective, peut-être quelque chose à faire ensemble, et que donc c'est par là que les choses passaient. Et tout ça nécessite des financements. Oui, parce qu'il y a le temps donc, nécessaire à la rencontre et à cette création du vivre ensemble. Mais oui, il y a la question des moyens que l'on se donne ou que l'on se donne pour créer ce vivre ensemble. Et de la même façon, il y a des publics que l'on a rendus invisibles. Je dis bien des publics que l'on a rendus invisibles. Et il y a aussi, on s'est dit, des structures, des projets, des artistes, de la même façon que l'on rend invisibles. Donc c'est cette question de la distribution des moyens, car ce sont souvent ceux-là même qui sont le plus en contact. On l'a vu lors de ce qui vient d'être évoqué, de la crise sanitaire, ce sont là même donc qui sont le plus en contact naturellement, intrinsèquement, avec ces publics que l'on rend encore une fois invisibles ou inaudibles, qui sont eux-mêmes marginalisés et rendus invisibles, inaudibles. Donc cette question de l'égalité, cette question d'inégalité et cette question de l'accès au droit, on la retrouve, nous a-t-il semblé, à tous les niveaux de la chaîne. Et pour conclure, on avait envie de ramener une parole qui ne nous appartient pas, mais qui nous a particulièrement marqué. Avant de donner cette parole, c'est juste pour vous expliquer dans notre restitution que cette question nous a semblé donc éminemment politique. La question du rapport à l'autre. Et donc la phrase par laquelle on va terminer, c'est un jeune collégien visiblement qui a eu cette phrase lors d'un travail avec un metteur en scène. Et il dit, donc cette rencontre, « J'aimerais qu'elle commence par moi, l'histoire des autres que j'apprendrai. » Voilà. C'était très difficile comme exercice. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était une jolie phrase pour finir et pour partir à notre tour. Alors, déconfiner les cultures. Une des conversations, je me suis entretenue avec nos quatre témoins, une des conversations, au cours d'une conversation avec Marc Rosmini, qui est ici présent, on a eu un petit peu ce débat sur l'étymologie et le sens du mot culture. Et Marc m'a dit, oui, il y a la différence entre appartenir à une culture et se cultiver. C'est pour ça que je pense qu'on va commencer ce débat avec, d'une part, Marc Rosmini, suivi par Ali Djilali, qui est aussi un peu au cœur de cette problématique entre les cultures, celles d'où on est, et celles qu'on veut diffuser ou pour laquelle on travaille. Marc, sur l'étymologie, justement, sur les sens de la culture et sur ce que vous en dites avec vos élèves. Alors, on se tutoie, on se voit, je ne sais pas, on se connaît plus si longtemps. En fait, c'est vrai que c'est un terme qui est assez ambigu. D'abord, c'est un terme qui peut intimider, malgré tout, le terme culture, pour des gens qui ont l'impression de ne pas disposer justement du capital culturel qui permet de s'insérer facilement dans la société et, disons-le clairement, de réussir à l'école.
parce que bon, moi, en tant qu'enseignant, ce que je vois, moi, j'enseigne à la fois avec des... j'ai des élèves qui viennent de lycées pro, industriels, et puis je fais aussi passer des oraux à des élèves de classe préparatoire scientifique à tiers. Donc j'ai un peu les deux bouts de la chaîne. Et on voit à quel point, effectivement, notre société est quand même organisée autour d'une sélection liée au capital culturel. Et les élèves qui sont éloignés de cette culture dite savante ou légitime, ben en fait, ils ont vraiment cette impression-là. Ils ont le sentiment que leur culture, c'est-à-dire à la fois leur pratique culturelle à eux, et puis aussi la culture dont ils viennent. Parce que, bon, évidemment, le sens anthropologique du mot culture, disons, c'est tout ce qui ne relève pas de la nature dans les comportements humains. Donc, ce qui fait qu'un groupe se reconnaît autour d'une langue, autour de pratiques techniques, artistiques, culinaires, etc., des mœurs, de l'organisation de la parenté, enfin, ce qu'étudient les anthropologues. Et puis la culture, c'est aussi les œuvres de l'esprit qui permettent de se cultiver, c'est-à-dire de construire sa subjectivité, de construire son sens critique, son jugement de goût, etc. Et effectivement, cette articulation entre les deux sens du mot, à mon avis, elle est au cœur du problème, parce que d'une certaine manière, il me semble qu'en tant qu'enseignant ou en tant qu'acteur culturel, nous devons prendre en compte toutes les cultures, justement, aller vers l'autre, hein, c'est ce dont il était question à l'instant. Et en même temps, ne pas tomber dans une forme de démagogie qui ferait croire aussi aux gens qu'il n'existe pas une culture qui va leur permettre justement de s'insérer et de réussir. Donc faire dialoguer les deux, en fait, c'est quand même, il me semble, un enjeu majeur. Et pour ça, ben, y a des dispositifs qu'on peut mettre en place, bien évidemment. Alors, Ali, prenez votre micro, parce que vous êtes intéressant justement pour cette question de la dualité de la culture, puisque vous jouez de votre culture pour donner de la culture. Donc je rappelle que vous écrivez souvent vos textes, qui sont souvent imprégnés de votre propre vécu. Alors j'ai retenu, j'avais noté en tout cas, deux spectacles un petit peu emblématiques, qui étaient « Les champs de couscous ne donnent plus de blé » et « Le jardin de mon père » qui est le dernier en date. Donc comment vous faites le distinguo et comment vous vous sortez de cette schizophrénie entre les cultures et leurs définitions ? Ça n'a pas été simple, hein. C'était une question, tout à l'heure on parlait du temps, il m'a fallu beaucoup de temps. Il m'a fallu beaucoup de temps parce que j'étais issu d'une famille où la question culturelle, il n'y avait pas un livre à la maison, il n'y avait rien du tout. Donc pour moi, ce qui a été très important, c'est la rencontre. C'est la rencontre, je me souviens, moi, j'ai grandi dans un petit village en Alsace, à 25 km de Strasbourg, et la première fois que je vais écouter de la poésie ou entendre de la poésie, ça va être à l'école. Donc là, il va y avoir les premiers chocs comme ça, culturels, je ne connaissais pas. Et petit à petit, je vais m'intéresser à ça. Et petit à petit, je vais réaliser que moi aussi, j'ai quelque chose à faire partager. J'ai à travers mes parents, à travers la langue, parce qu'à la maison, on parlait l'arabe dialectal. Dans la rue, je parlais l'alsacien avec mes copains alsaciens. Et bien entendu, à l'école, on parlait le français. Et là, tout à coup, avec le temps, hein, je vous dis que c'est un long cheminement. Ça n'a pas été simple, cette schizophrénie. C'est que tout à coup, être aux frontières de plusieurs cultures, on arrive en Alsace, mes parents sont analphabètes, et il y a le choc de l'alsacien, il y a le choc de l'apprentissage du français. J'ai 3 ans quand je débarque ici en France. Et il va y avoir quelque chose. Et c'est l'école... C'est mes copains, c'est le théâtre que je vais rencontrer à travers des compagnies théâtrales à Strasbourg, le TNS, parce qu'on nous emmenait par groupe au théâtre à Strasbourg pour voir des spectacles. Et là, j'ai vu le premier spectacle d'André Engel, que je ne connaissais pas, et je trouvais ça magique, extraordinaire. Et c'est comme ça, petit à petit, je vais faire mon chemin. Et moi aussi, tout à l'heure, ce matin, j'ai assisté à une table ronde. On parlait de la question de l'apprentissage de ces codes. Moi, je me souviens à l'école, un jour, il y a une explication de texte, il y avait un mot qui s'appelait suinté. Et moi, je me tourne vers mon copain, alsacien, et je lui dis, ça veut dire quoi, suinté ? Il me dit, mais tu sais pas ce que ça veut dire ? Je me suis senti presque honteux et confus de ne pas connaître ça. Il me dit, ça veut dire couler lentement. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, ben Ali, maintenant, chaque mot que tu ne vas pas comprendre, ben, il y a des dictionnaires, tu vas les chercher. Donc c'est un long, long chemin comme ça, où je suis aussi confronté à la culture de mes parents, et moi qui vais prendre petit à petit un autre chemin, et je vais faire mien
mais avec beaucoup de temps, faire mien cette chose-là. Je vais en Algérie, je suis qui ? Qui suis-je ? Est-ce que je suis algérien ? Je suis français ? Et petit à petit, je réalise que je suis un mélange de tout ça. Et je décide, en 1988, exactement, avec mon collègue Abdoulaïdi, de créer un spectacle. Et en plus, rajouter le contexte politique de cette époque-là. On s'est dit, nous, en tant que comédiens, moi, je jouais dans les pièces de théâtre, Molière, je jouais Gombrowicz, Kafka et tout ça. Et je me dis, mais Ali, en tant que comédien, vu la montée de ce Front National, la stigmatisation, et chaque fois aussi obligé à s'expliquer sur, je me suis dit, mais il est peut-être temps que tu prennes la parole, parce que cette parole-là, je ne l'avais pas entendue ailleurs. Donc je me suis dit, c'est peut-être le moment de toi-même la prendre et la rendre aux autres. Rendre aux autres cette parole-là en leur montrant autre chose de ta culture, en leur montrant autre chose, comment tu es perçu, mais en même temps, comme j'étais à la croisée des deux cultures, je fustigeais aussi de l'intérieur des traditions, des rapports aux femmes, etc. Je me suis dit, je ne vais pas laisser les autres parler de ça, dire que vous, les Maghrébins, vous avez un rapport avec les femmes qui est comme ci. Je vais, moi, montrer la réalité, c'est dire, il y a des hommes qui se battent pour que leur sœur... Et donc, je crée un spectacle, on a joué, d'ailleurs, j'ai rencontré une collègue là, tout à l'heure, on a joué ça un peu partout, en Algérie, au Maroc, et on fustigeait la religion, on fustigeait tout ce qui était les interdits, toutes ces choses-là. Donc, je vais m'emparer de cette histoire-là pour la donner à entendre et à voir un public, en fait, j'ai réalisé, qui ne me connaissait pas. Il ne savait pas qui j'étais. Ils ne savaient pas ce qu'on vivait en intérieur, nous. Mais ils avaient des clichés. C'était pour casser ça, casser ces préjugés qu'on avait sur la famille. Alors, déconfiner les cultures, décloisonner, ça part de bons sentiments. Encore faut-il qu'il y ait des passeurs, qu'il y ait des bonnes volontés, qu'il y ait des politiques, des décisions. Tous les quatre, vous faites partie justement de ceux qui s'intéressent à cette question, qui essayent de faire en sorte de rapprocher les publics, de rapprocher les autres, de leur permettre de se rencontrer et d'échanger. Vous avez tous des expériences dont on va parler. On va commencer encore avec toi, Marc, parce que tu... Donc avec tes lycéens ou avec ta classe, je ne sais plus laquelle, tu m'as raconté que tu étais allé justement au MUCEM, donc dans le musée de Jean-François Chounier, avec des lycéens qui sont plutôt issus de Quartier Nord, et que vous y avez été confronté, enfin que vous y avez rencontré en tout cas des représentants du mouvement LGBT, les sœurs de la perpétuelle indulgence. Enfin, tu vas nous raconter ce qui s'est passé et dans quel contexte. Oui, il y a deux expériences que je voulais évoquer. En fait, la première, on va voir quelques images, je crois, elle a eu lieu ici même, lorsque nous avions assisté à un spectacle de Kerry James. Et quand je parlais tout à l'heure des différents types de cultures, cette année-là, par exemple, nous avons eu la chance, parce que c'est vrai qu'à Marseille, nous avons la chance quand même d'avoir des acteurs culturels qui sont très ouverts justement à la rencontre, très ouverts aux propositions des uns et des autres. Beaucoup sont dans la salle d'ailleurs. Et donc Kerry James, c'est un grand monsieur du rap. Donc c'est vrai que pour mes élèves, voilà, donc là c'est mes élèves qui posaient des questions à Kerry James ici même, avec Marianne derrière. Alors c'était assez intéressant parce que il y avait cette idée d'un ancrage donc, dans quelque chose qui pouvait leur être assez familier, c'est-à-dire le rap. Et d'un autre côté, Kerry James, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup la langue. Donc ça, c'était intéressant de voir à quel point le spectacle était un travail sur la langue. Et puis, il y avait la notion aussi de transfuge de classe, puisque dans ce spectacle-là, Kerry James lui-même raconte l'histoire de quelqu'un qui vient d'une cité, qui devient avocat. Et puis, cette année-là aussi, nous étudions avec mes élèves, le livre Retour à Reims de Didier Ribon, qui raconte aussi le parcours d'un transfuge de classe. Et l'idée, en fait, pour ce qui me semblait important par rapport à cette expérience-là, c'était de pouvoir articuler justement quelque chose qui relevait de pratiques qui leur étaient assez familières, donc de partir du connu, de partir toujours du connu, du familier, du plus facile d'accès, pour amener petit à petit, pour montrer comment on va petit à petit, et comment tout le monde peut aller, de Kerry James, ou moi, ou eux, ou n'importe qui, vers des choses un peu plus complexes, vers des choses plus exigeantes, vers des choses qui demandent un effort intellectuel, qui vont permettre justement de se construire en tant que sujet. Et puis les sœurs de la perpétuelle indulgence, alors c'était au MUCEM justement, là c'était une grande chance, grâce au MUCEM, nous avions organisé une journée de rencontre, alors là il y a des images assez marquantes aussi. Donc les sœurs de la perpétuelle indulgence sont un ordre, un mouvement homosexuel qui a été fondé à San Francisco à la fin des années 70,
et qui se met en scène, voilà, de manière très, très visible, comme vous le voyez, pour faire une sorte de happening et pour interpeller les gens sur la question de l'homophobie, du rejet, de la différence. Alors, j'avais d'abord rencontré donc les sœurs de la perpétuelle indulgence, on en a une à droite ici sur la photo, qui étaient en fait un petit peu terrorisées par l'idée de travailler avec mes élèves, parce que dans leur idée, des jeunes des quartiers nord, c'était forcément des gens qui allaient être homophobes et qui allaient les rejeter. Moi j'avais dit, écoutez, moi je connais bien mes élèves, je vous garantis que mes élèves, certes, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, ont des préjugés homophobes assez ancrés, mais ce sont des gens avant tout ouverts. Et puis nous sommes dans un climat, je crois, de confiance et de bienveillance, qui fait que ça va très bien se passer. Mais elles avaient quand même très très peur. Et puis mes élèves étaient terrorisés. Elles avaient été terrorisées en disant, quoi, avoir des homosexuels et travestis. Alors je leur avais expliqué que c'était pas contagieux, je leur avais expliqué tout un tas de choses qui leur paraissaient pas évidentes. Et en fait, ils avaient très très peur. Pour eux, c'était aller, mais vraiment vers l'inconnu absolu, quoi. Donc ils m'ont dit, mais comment on va s'en sortir? Donc j'avais affaire comme ça, en fait, à des préjugés complètement inversés en miroir, et bon, qui étaient d'une certaine manière pas totalement infondés, parce que c'est vrai qu'il y avait un fond d'homophobie chez certains d'entre eux en tout cas. Et l'idée, c'est que là aussi, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on avait mélangé des publics. Donc ce jour-là, il y avait mes élèves, donc qui étaient élèves de bac professionnel. Il y avait aussi des élèves d'un lycée privé marseillais. Il y avait donc les sœurs de la perpétuelle indulgence, etc. Il y avait le cadre, le MUCEM aussi, qui était un peu hors lieu pour eux, donc qui était déjà un déplacement. Donc voilà, donc là on voit le débat aussi avec les élèves un petit peu gênés, à la fois très, très passionnés par la rencontre. Et puis il y avait cette idée que nous allions, et là je rejoins aussi ce qu'a dit tout à l'heure, nous allions faire quelque chose ensemble. C'est-à-dire, l'idée c'était de faire des débats mouvants, donc les sœurs animaient ces débats. Donc moi je m'étais mis vraiment en retrait, je relançais juste le débat quand c'était nécessaire. Et ce qui est intéressant dans ces rencontres, enfin des rencontres comme ça, j'en ai fait beaucoup dans ma carrière, j'ai la chance d'avoir des classes un peu expérimentales, je peux faire un petit peu ce que je veux, qui sont des classes sans programme. C'est plutôt pas mal pour un enseignant. Et puis aussi, comme je disais, d'avoir la chance d'avoir, je dis, le MUCEM, le ZEF, l'Alhambra et tout un tas de structures culturelles qui accueillent ces expérimentations. Et en fait, c'est vrai qu'il n'y a rien de tel que la rencontre, en fait, que la rencontre autour de problèmes communs. En fait, ce qui me semble important, je crois que ça a été dit un petit peu aussi, c'est qu'il faut lutter contre l'essentialisation. En fait, c'est-à-dire l'assignation identitaire, voire l'auto-assignation, le jeune des quartiers nord, l'homosexuel, le rappeur, que sais-je, et rentrer dans la complexité. Et dès qu'on rentre dans la complexité, dans le problème, en fait, aborder les questions à partir de problèmes. Et c'est vrai que je n'avais pas caché, par exemple, à mes élèves que les sœurs avaient peur d'eux, et je n'avais pas caché aux sœurs que mes élèves avaient peur d'elles. Et j'avais dit, oui, effectivement, oui, un souci. Ce souci, on va le travailler en menant une expérience ensemble, en vivant un moment, et en se racontant des histoires, et en découvrant qui on est, et en découvrant, au fond, notre fond d'humanité. Parce que ce qui était assez formidable ce jour-là, et comme l'autre jour quand on est venu ici d'ailleurs voir un spectacle, et c'était formidable aussi, c'est de voir à quel point les êtres humains sont capables assez vite de se déplacer s'ils ne se sentent justement pas enfermés en fait dans une case. En fait, le gros problème des jeunes avec lesquels je travaille beaucoup et qui se sentent éloignés de cette culture légitime, c'est qu'ils ont l'impression que tout est fait pour leur montrer que c'est pas pour eux, d'une certaine manière. Et pour plein de raisons, enfin, je veux dire... Quand ils voient le type de spectateur qui va, par exemple, dans les lieux culturels, etc., ils ne s'y reconnaissent pas forcément. Et à partir du moment où on s'inscrit dans un projet, on leur dit, voilà, là, on est venu voir la pièce il y a 3 semaines, on écrit un texte qui va être transmis aux metteurs en scène, aux actrices, aux effets, etc., et on leur dit, voilà, ce que vous avez à dire, c'est ni plus ni moins intéressant que les autres. Donc là aussi, pas de démagogie en disant, voilà, vous n'êtes pas des génies, et tout ce que vous faites, ce n'est pas formidable. C'est formidable quand on travaille. Et je crois que le mot de culture aussi, c'est la culture de la terre, quoi. C'est que pour donner le meilleur de la terre, ben, il faut la cultiver. Et comment on cultive la terre? Avec des outils. Enfin, moi, mon modeste rôle d'enseignant, c'est de fournir le plus possible d'outils culturels, intellectuels, méthodologiques à mes élèves. Et puis après, bon, ben, ils peuvent s'en servir comme ils l'entendent. Mais cette idée de transmettre des outils plutôt que de transmettre des savoirs dont ils peuvent avoir l'impression qu'ils sont un peu morts, en fait. Il y a aussi cette idée que pour eux, que la culture scolaire, c'est un peu mort. Et dès qu'on la fait vivre avec du spectacle vivant, avec de la rencontre, ça déplace complètement. Et ils redeviennent acteurs de leur processus de subjectivation. Et enfin, il me semble quand même que la culture, c'est quand même ce qui peut nous permettre de devenir des sujets. Et quand on prend les gens au sérieux et qu'on leur donne ces outils, ben comme par hasard, ça marche. Bon, enfin, c'est formidable, en tout cas, d'avoir des modestes enseignants comme Marc Rosmini, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et surtout, voilà, ce ne sont pas que les enseignants, les profs de théâtre, qui
qui emmènent leurs élèves et qui les ouvrent à la culture, et que ça peut se faire à partir de toutes les disciplines et de tous les enseignements. Alors la culture, on peut y aller, on peut la faire venir. Il y a différents moyens justement de permettre au public qui en sont éloignés de se l'approprier. Jean-François Chounier, alors c'est à l'ordre du jour, hein, c'est pas encore effectif, mais vous avez un projet qui s'appelle Destination Mucem, qui permettrait justement à tous ces publics qui sont un petit peu éloignés, en tout cas de votre musée, qui sont dans des quartiers difficiles d'accès, où les transports en commun existent, mais sont pas toujours évidents à emprunter, et encore moins le week-end. Donc, en quoi ça consiste ? C'est un peu la continuité de ce que Marc expliquait, c'est-à-dire que, effectivement, ce qui entraîne ce que une sociologue spécialiste des publics, et j'aime bien l'expression, appelle le peu public, parce qu'on dit souvent les non-publics, et souvent, je ne trouve pas une très belle expression, parce qu'on est toujours un peu public, mais le peu public, c'est bien ça auquel on est confronté, au-delà de l'offre que l'on peut faire, les dispositifs tarifaires que l'on peut mettre en place, enfin, qui ont été expérimentés et utilisés en France depuis, comme dans d'autres pays, depuis de très très longues années, on sent qu'il y a encore beaucoup et beaucoup trop de personnes qui disent je ne vais pas fréquenter la culture parce que c'est cher. Bon, dans le cas d'un musée, l'argument est assez facile à contrebalancer. Je ne vais pas au musée parce que c'est difficile d'y aller, parce que les transports publics ne sont pas idoines, etc. Alors on s'est dit avec l'équipe du MUCEM que ça serait intéressant, peut-être qu'on se plantera complètement, mais ça fait partie des expérimentations importantes, qu'il serait intéressant de les prendre au mot et de tous les dimanches aller les chercher. C'est ce qu'on va essayer de faire dès que possible, parce que comme vous, ce n'est pas une information, je pense, exclusive de vous informer que pour l'instant nous ne pouvons pas rentrer dans les musées, mais enfin je vous le confirme. Et donc on allait les chercher, et on a c'est pas ouvrir un bus qui serait le concurrent de la régie des transports, mais c'est d'avoir aussi une expérience un peu agréable dans le transport. On a trouvé avec les anciens de la RTM, notre régie de transport, un vieux bus des années 70, donc d'avoir quelque chose qui ne soit pas l'expérience de simplement louer un autocar et également travailler avec les points de départ, c'est-à-dire les centres sociaux, avec des itinéraires qui changeront toutes les semaines. Enfin, c'est comme ça qu'on a conçu le projet. Voilà. Donc c'est prêt à démarrer, ça n'attend plus que ce que l'on sait, c'est-à-dire mais le premier dimanche où le MUCEM rouvrira, il y aura un bus pour venir au MUCEM. Ouais, bon bah ça va être super. Hein. Nous, on ne pourra pas le prendre, mais c'est une belle expérience qu'on va suivre de près. Parce que... En demandant gentiment, ouais. On fera peut-être des voyages de quelque presse. Donc ça, c'est une super expérience et une super initiative pour permettre au public de venir dans des endroits de culture qui sont... éloignés de chez eux, qui sont plutôt centraux, mais qui sont éloignés de chez eux. Avec vous, Hilaria Tourba, on a un petit peu l'expérience inverse. C'est vous qui êtes allée dans les quartiers pour aller à la rencontre de l'autre, des autres, pour échanger, pour leur amener votre façon de faire de la culture. Donc ça, c'est un projet qui est en place, que vous menez en tout cas depuis 2018 dans le cadre d'une résidence avec le ZEF. Et vous allez nous expliquer. Vous m'avez dit c'est énorme, parce que c'est tous les sujets dont je parle dans mon projet. Donc vous étiez super enthousiaste. Et alors Hilaria, elle a très peur de parler. C'est la première fois qu'elle s'adresse à un public en français. Et en fait, elle le parle très bien, mais voilà. Donc, elle a beaucoup de mérite. Alors expliquez-nous, Hilaria, justement, voilà, en quoi ça consiste. Ça s'appelle le désir de regarder loin. Donc moi, en effet, j'ai eu l'occasion d'être invitée par Francesca Polognato à rejoindre la bande des artistes de ZEF. À un moment très particulier où le ZEF était le Merlin et la Gare Franche, donc deux lieux différents, dans un espace géographique très éloigné. Donc d'ici à la Gare Franche, ce sont plus ou moins, je pense, 8 km, 7 km. Donc c'est vraiment une grande scène nationale qui est devenue.
Et moi, en effet, j'étais la première artiste plasticienne de la bande des artistes du ZEF, donc notamment en scène nationale qui fait du théâtre. Et je suis arrivée ici et effectivement pour travailler sur le territoire entre ici, donc le Merlin, et la Gare Franche. Donc j'étais la première artiste qui, en effet, travaillait dans plusieurs quartiers montants et dans plusieurs équipes, parce qu'à un moment que je suis arrivée, l'équipe était encore divisée. Alors ce qui est intéressant, pour avancer sur votre travail, c'est que vous marchez. Ouais. Une partie de votre travail, c'est de marcher. Bien sûr. Moi, je suis arrivée avec l'idée d'écrire un projet en marchant, en effet. Donc, en écrivant en marchant, donc signifie... Comment on marche dans les quartiers nord? Expliquez-nous un peu, parce que c'est assez bizarre quand même. Mais pour moi, c'est presque naturel dans mes projets de comprendre où je suis. Et pour moi, la marche, le fait de physiquement traverser les espaces, c'est fondamental pour comprendre qu'est-ce qu'il y a autour de moi. Donc moi, j'avais des idées très éloignées de qu'est-ce que c'était le quartier nord. J'avais aucune expérience. Et j'avais que des clichés. Donc pour comprendre vraiment et pour vivre ces quartiers, la première chose que j'ai fait, c'était de marcher et voir les espaces, voir aussi la richesse de ces territoires, combien de cultures il avait dans plusieurs niveaux. Et aussi vraiment une différence extrême, si du public, si d'expériences déjà pas nouvelles, comme la scène nationale, il y a la Cité des Arts de la Roue, il y a aussi des lieux extraordinaires, comme c'est ici vraiment à côté, l'affaire pédagogique de Saint-Marthe. Donc il y a vraiment des espaces très particuliers et très différents l'un à l'autre, qui se peut traverser. Donc mon idée au début, c'était de... Premier, penser un projet avec un thème fort qui pouvait être un thème qui pouvait accueillir un public très ouvert. Donc, les désirs de regarder loin, c'est en effet un thème, c'est plus un sentiment qu'un thème précis, donc c'est ouvert à l'interprétation. Et mon idée de traverser ce territoire en demandant, en faisant une récolte des désirs de regarder loin. Qu'est-ce que c'est un regard de loin? C'est quelque chose de... pas évident, donc peut-être quelque chose qui se relie à la projection de soi vers le futur, peut-être un regard différent vers le présent, donc une sorte de profondeur voir autrement les choses dans le temps présent et peut-être aussi dans le passé. Donc pour ça, à côté la traversée physique dans les quartiers nord, moi j'ai fait une traversée dans la collection de CCR du MUCEM pour voir aussi des expériences reliées au passé qui se pouvaient connecter à ce thème du désir de regarder loin. Et en effet, à partir de ces deux traversées, j'ai imaginé des actions très pratiques, très simples, pour transformer ces désirs en dessin, en photo, en objet, et surtout en expérience, parce que dans la restitution de la table 4, sont passés plusieurs de mots que je ressens beaucoup dans mon projet, notamment la question du temps, d'avoir le temps pour créer de liens, de relations. Donc dans toutes mes actions, dans les projets qui sont appelés ateliers, mais pour moi sont des créations participatives avec les publics, il y a cette idée de prendre le temps et de rencontrer les personnes avec un temps vraiment des échanges vrais. Et au-delà de ça, une posture qui permet aux gens de sentir qu'un projet artistique comme le mien, c'est un espace où on peut faire ensemble, où il n'y a pas une idée d'un artiste qui porte quelque chose d'en haut, en bas, mais un développement horizontal. Donc de moi vers les participants et de participants à moi. Donc c'est vraiment une sorte de construction collective. C'est un faire ensemble à partir d'un cadre très fixé. Et c'est vrai que pour moi, c'était une expérience extraordinaire l'avoir fait ici au ZEF, parce que c'était aussi un lieu de vie. Et moi, effectivement, j'ai vécu dans les quartiers, je vive encore, je suis maintenant hébergée à Saint-Antoine, et donc j'ai vraiment passé 3 ans, pas tout le temps, mais dans des longues résidences, j'ai habité les lieux, j'ai habité les territoires, et à partir de là, tout s'est développé.
Et vous avez rencontré beaucoup d'habitants, enfin, il y a eu beaucoup de belles rencontres. C'est facile de nouer le contact et de... En effet, nous, c'est impressionnant. On a fait le calcul la semaine d'avant. On a touché 500 personnes dans le projet, dans 2 années et demie, parce qu'un demi-an, c'était pendant le Covid, donc un peu nul. Et moi, je dois dire que je ne suis pas été seule dans tous les projets. Et aussi, j'ai eu l'accompagnement d'une équipe RP incroyable, d'une équipe extraordinaire avec qui on a travaillé ensemble pour, à partir d'une idée, à partir de traces, de projets artistiques, vraiment voir des dynamiques du rapport avec les publics. C'était vrai que, par exemple, une des actions, c'était un atelier du pain, que j'appelais l'atelier du pain du désir, que c'était une forme de trouver, de transférer sous une forme un désir. Et c'était avec des femmes du quartier, c'est ça, qui sont venues avec vous En effet, c'était adressé à tout le monde. Donc, l'entrée, c'était vraiment pour femmes du quartier qui pensaient de faire un pain. Personne du théâtre de Zef qui venait voir le spectacle qu'ils ont vu dans la plaquette Lideka, il y a un atelier du pain amené par une artiste italienne à la gare France. C'était un mélange et différentes entrées. Et ça, c'était super intéressant parce que la table de travail, qui c'était des 15 places, c'était un mélange, un vrai mélange de publics totalement différents qui s'est rencontré pour 3 heures pour faire ensemble un pain de désir. Donc, quelque chose de très particulier. Et ça permet cette façon, pour moi, qui est typique de l'art, d'ouvrir un espace très particulier d'expérience qui peut être pas bien compris au début, mais après, à travers l'expérience, toi, tu vas, tu marches, tu déplaces un peu ton espace de fermeture et tu ouvres aussi l'expérience même, amène le fait que la diversité du public, la diversité d'être humain et humaine dans un espace protégé de l'art, se peut partager, se peut voir de manière très naturelle. Merci. Vous parlez très bien français. Je voulais parler d'une question avec vous, Ali Djilali. Parce que quand on a parlé de vos spectacles, quand on s'était entretenu, vous m'avez dit que, en fait, même si vous parliez de votre culture, de thématiques comme l'immigration, comme l'exil, c'était universel. Que quand vous parliez de votre mère, vous parliez de toutes vos mères, et que finalement, il n'y a pas forcément de gap. C'est nous qui les créons, en fait, parce que ce qu'on dit, ça parle à tout le monde. Donc, comment vous faites passer ce message, et à qui vous avez envie de le faire passer, surtout ? En fait, quand j'ai créé les spectacles, une chose qui me tarabustait, c'était de dire il faudrait qu'en fait les gens nous regardent comme ils pourraient regarder leur propre mère ou leur propre père, et que quelque part nous avons beaucoup de choses en commun. Et donc, à travers les spectacles que j'ai faits, que je sois chez Chant de Couscous ou Famille Nombreuse ou le dernier spectacle qui s'appelle Le Jardin de mon père, je voulais que cette histoire de l'exil qui part de l'intime rejoignent aussi quelque chose qui nous touche tous, quelque chose qui nous touche, qui est, ben oui, effectivement, chez nous, ben, c'est agrémenté, ça crie, ça parle beaucoup, mais quelque part, c'est quoi ? Ce sont des êtres qui vivent, qui font des enfants, qui vieillissent et qui meurent, et dans lequel on peut aussi, en regardant ces spectacles-là, on peut se projeter dans l'histoire. Et La meilleure réflexion que j'ai eue, c'est une dame qui est venue me voir. Alors, bien entendu, alors du coup, je ne pensais pas toucher ces personnes-là qui étaient... j'ai commencé à toucher un public que je n'imaginais pas toucher. Dans la salle, il y a eu des you-you, il y a eu une projection de ce public dans une histoire peut-être dans laquelle ils se retrouvaient eux-mêmes, quoi. Et cette femme arrive et me dit, j'aimerais bien... C'était pas ni une shérifa, ni... elle s'appelait, je ne sais plus, Michel, qui me dit, il faudrait que mon fils voie votre spectacle pour voir comment vous parlez des mères. Et quand il y a eu ça, je me suis dit, mais bon sang, peut-être qu'il y a quelque chose là qui se passe, c'est que je voudrais, comme quand on regarde un film, comment on est en empathie avec la chose qu'on voit. Nasser Djemal disait qu'il ne se reconnaissait pas aussi dans pas mal de créations à un moment donné, et qu'il fallait qu'il... remettre à jour certains récits qui n'avaient pas été racontés. Et c'est peut-être ça que j'ai essayé de faire en remettant ces récits en place sur l'exil,
la lourdeur de la séparation, de la vieillesse, du monde ouvrier, des classes populaires. Je me suis dit, mais si les gens ils arrivent à se projeter dans cette histoire qui part de ma propre histoire, mais quelque part, nous trouvons quelque chose de commun à nous tous, quoi. C'est ça qui me poussait, c'est j'aime que tu te projettes dans ma mère, parce que ma mère, c'est aussi ta mère, et l'autre, c'est un peu moi. C'était ça qui m'a toujours, et qui me pousse toujours à faire cette chose-là. Bien entendu, je pars sur des spécificités, mais pour aller plus vers quelque chose d'universel. Le dernier spectacle, je raconte la mort. La mort, mais comment est-ce qu'on va parler de la mort ? C'est la mort de, oui, la vieillesse, l'EHPAD, comment on vieillit dans nos familles. J'ai été confronté à cette chose-là, mais j'avais un père qui était extraordinaire parce que, et c'est là aussi le choc des cultures, c'est aussi le choc des imaginaires. Il y avait un imaginaire dans ma famille avec lequel j'ai fait connaissance et que j'utilise. C'était le regard de mes parents sur leur propre vie, sur leur propre existence. Et quand mon père me parlait de la mort jusqu'au dernier moment, ben il me faisait rire, quoi. Sourire, il était touchant. Et jusqu'au dernier moment, je l'ai filmé. Et pour raconter ça, en se détachant, on va être enterré où ? Déchiré, là aussi, nous. Mon Dieu, vous êtes enterré où ? En France ? À l'étranger ? Et là, j'ai comme une révélation, à un moment donné, à Bichuillère, il y a un cimetière. Et dans ce cimetière, quand tu vas tout au fond, sur la gauche, il y a un petit endroit qui est réservé aux musulmans. Mais il n'y est pas séparé par un mur, ni rien du tout. Il est juste là. Et là, mon oncle va être enterré. Et c'est là que je vais voir, en allant voir mon oncle, je me suis dit, mais oui, c'est une évidence. Cet endroit, c'est un endroit du commun, quoi. Et je vais raconter ces choses-là, bien sûr, en fustigeant je raconte juste une anecdote. J'ai un autre oncle qui n'a pas voulu être enterré à Bichuillère parce qu'il m'a dit, je voudrais être enterré. Il s'est fait enterrer à Haguenau, à 7 km. Il me dit, je ne voudrais pas, en mourant, côtoyer tous les connards que j'ai côtoyés dans mon boulot qui viennent faire chier pendant que je meurs, tu vois. Je suis là-bas en bas. Donc, du coup, je raconte cette histoire-là. Et il se va se faire enterrer à Haguenau, où là-bas, les morts, il n'en connaît aucun, quoi. Et j'ai trouvé cette anecdote tellement, tellement forte que je me suis amusé à aller pousser plus loin cette histoire-là. Parce que c'est vrai, mon père, il était scandalisé. Comment il s'est enterré là ? Et lui, mon père, s'est fait enterrer au pays. Et donc, du coup, je m'amuse avec ces choses-là. Comme je m'amuse avec la question identitaire. On nous assigne toujours à nous dire bah, « Toi, t'es où ? T'es français ? T'es arabe ? T'es quoi ?» Alors moi, qu'est-ce que je fais ? Souvent, les gens, quand ils me disent quelque chose, je leur dis bah, « Vous savez, je suis alsacien, 100% alsacien. » Et les gars, ils me regardent comme ça, ils font, bah, je leur dis bah, « Oui, je suis alsacien. Où est le problème ? » quoi. Donc, je m'amuse à créer ces troubles-là parce que je suis un produit de tout ça. Et voilà, je fais partie de cette société. J'aime l'Alsace, j'aime la France, j'aime la République. J'ai des choses à critiquer dans ma culture, dans cette société-là. Et c'est ça que j'essaie de faire. Et du coup, le public vient. Parce que ce matin, on a parlé à la table ronde où j'étais, ils parlaient des publics. Mais les publics, ils sont... Qui... On va en parler. On a une question justement d'un spectateur, d'un téléspectateur ou d'un téléordinateur qui nous dit il faut interroger le terme de public qui est clivant et qui segmente la population. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux dire que l'on s'adresse à des personnes ? Est-ce que quelqu'un a une réflexion ou une réponse pour Gilbert Secaldi ? Non, mais il y a disons que la sociologie de la culture, elle a des choses à dire là-dessus. Hein. C'est vrai qu'il y a, bon, Pierre Bourdieu est le premier à avoir théorisé dans l'amour de l'art. Et dans d'autres livres, les phénomènes de reproduction sociale et les phénomènes de distinction qui font qu'effectivement, des publics se peuvent devenir relativement homogènes. Puis il y a un sociologue de la culture qui écrit pas mal de livres ces dernières années, notamment La culture des individus, c'est Bernard Lahire, qui a travaillé aussi sur les rêves plus récemment pendant le confinement, mais bon, c'est autre chose, et qui montre que justement, en fait, les personnes qui seraient parfaitement homogènes du point de vue de leur pratique culturelle sont rares. Et en réalité, nous avons tous, ou presque, des pratiques qui relèvent
davantage de la culture populaire, davantage de la culture, ce qu'on pourrait appeler la culture commerciale, de la culture plus savante, plus exigeante, etc. Et en réalité, les personnalités qui seraient parfaitement pures comme appartenant à un public hyper cultivé, ayant accès à une culture extrêmement raffinée, exigeante, etc. Et puis d'autres qui n'auraient que des pratiques voilà, les plus basses, en tout cas selon les points de vue dominants, disons, bien évidemment, en fait, sont très rares. Donc c'est pour ça que décloisonner la culture, c'est aussi le décloisonner à l'intérieur de nous. Moi, j'étais assez sensible tout à l'heure aussi sur ce qui était dit sur la ville de Marseille. C'est vrai que les rapports à Marseille entre la culture populaire, dite populaire, et la culture savante sont très riches, en fait. Il y a beaucoup d'artistes qui ont travaillé sur cette frontière. Moi-même, il y a quelques années, j'avais fait un livre qui s'appelait « Marseille révélé par l'art contemporain », où je ne parlais que de ça. Il y avait un chapitre sur l'OM, un chapitre sur la cuisine, justement, où en fait, on se situe dans ces zones dans lesquelles le dialogue est possible, dans lesquelles, justement, il peut y avoir un échange, parce que la même œuvre ou la même production, par exemple, Stott et Kerel, dans les années 90, faisaient des banderoles pour le stade Vélodrome. Ils en faisaient deux, en fait, à chaque fois. Une qui allait au FRAC, au Fonds régional de l'art contemporain, et une qui allait au stade. Donc, c'était la même. A priori, hein, c'était le même drapeau, sauf qu'il y en a un qui changeait de statut, qui devenait un drapeau d'un club de supporters, et l'autre qui devenait une œuvre d'art d'une certaine manière. Et toutes ces pratiques-là qui sont très, très courantes à Marseille, je connais moins les autres villes, mais à Marseille, il y a peut-être aussi une tradition qui facilite ce passage entre les modes de culture, parce que nous sommes nombreux à être plus ou moins des transfuges de classe, en fait, d'une certaine façon, avoir un rapport direct à la culture populaire, à la culture immigrée. Bon, moi, je suis petit-fils immigré, d'ouvrier, donc voilà, c'est une culture qui m'est familière. C'est pas, j'ai pas besoin de chercher beaucoup et de chercher ailleurs pour trouver la culture populaire, il suffit que je regarde chez moi, quoi. Et donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ces œuvres ou ces pratiques qui décloisonnent, ce que tu racontais, eh bien, ce sont des œuvres qui me paraissent intéressantes ou des expériences intéressantes, parce qu'elles permettent de regarder d'un côté, en fait, la tradition, la culture qui ne se pense pas comme culture, qui ne se vit pas comme culture, et puis d'un autre côté, quelque chose qui va devenir un peu plus exigeant, qui va demander un effort et qui va conduire à l'individu, c'est ce que dit Lahir aussi, à interroger en lui-même les hiérarchies, en fait, parce que déconfiner les cultures, ça peut, c'est pas forcément dire que tout se vaut. Enfin, je veux dire, sinon, ça serait là aussi, on peut pas dire que le morceau de rap le plus commercial et le plus pauvre, ça vaut Victor Hugo. Enfin, je veux dire, ça serait pas non plus, je pense, pertinent de le dire. Par contre, interroger les hiérarchies, interroger les normes, interroger les critères qui font qu'une œuvre va plus ou moins nous parler, plus ou moins nous enrichir, plus ou moins nous ébranler, ça, c'est intéressant. Mais que justement, on ne parte pas directement en fait, d'une classification qui serait officielle et qui serait imposée, ce que tu disais, d'en haut, quoi, mais plutôt d'un dialogue et plutôt de quelque chose qui est dans l'intersubjectivité et qui va permettre justement de faire que ces critères qui vont permettre de hiérarchiser des œuvres, de savoir aussi celles qu'on va conserver, celles qu'on va exposer. Enfin, je veux dire, si tout se valait, ça serait impossible. Tout le monde voudrait jouer sur cette scène, tout le monde voudrait exposer au MUCEM. Il y a bien un moment où il faut quand même se demander ce qui va compter le plus, ce qui va peut-être justement, comme tu disais aussi, le plus parler à l'universel, ce qui va être une démarche à la fois singulière et ouverte vers l'universel, mais que ce soit en discussion, voilà, que ce soit toujours en fait sur l'agora, que ce soit en discussion, et donc toutes ces œuvres participatives, elles le permettent, quoi. Et ça, voilà, je trouve, genre, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question de Gilbert Checaldi sur YouTube, mais bon, en fait, moi, c'est ce que ça m'a inspiré, en tout cas. Est-ce que je peux ajouter? Oui, bien sûr, Hilaria. Pour exemple, moi, je m'adresse aux personnes, mais que, quand je dois écrire un dossier, je parle du public. Donc il y a vraiment quelque chose qui aussi la notion notamment de l'autre. Il y a des sortes de mots qui sont chargés d'une utilisation culturelle qui font un peu émietter, repenser, revoir, parce qu'ils ont effectivement parlé des publics. C'est quelque chose que la culture... Qui gère la culture fait beaucoup, parce que c'est classiquement une manière très simple de nommer des groupes de personnes. Par contre, dans le terrain, moi, par exemple, moi, je m'adresse aux personnes, donc je n'ai pas aucune division, apparemment. Après, il y a des types de diversité qui, toutes les fois, dans tous les territoires, dans tous les contextes, sont différents. Et donc à Marseille, notamment, il y a tout un mélange particulier. À Milan, dans les banlieues, il y a un autre mélange. Et c'est très intéressant quand tu parles aux personnes d'être aussi, de penser des choses ouvertes. Par contre, ma question, c'est plus une question qu'un quelque chose que je dois dire, c'est est-ce qu'on peut changer les mots publics quand on parle de...
Moi, je trouve qu'il ne faut pas avoir honte du mot public parce qu'il est quand même assez beau. C'est le mot service public, c'est le mot également de l'appropriation publique des collections au moment de la Révolution française. Enfin, c'est quand même un... Je ne sais pas, je trouve qu'on... Grand public, ce n'est pas péjoratif. Oui, et je trouve que si on va dans la logique de dire on va parler aux personnes, je pense qu'il y a assez vite des dérives consuméristes. C'est-à-dire qu'à force de parler aux personnes, on va... c'était un grand débat, on l'a en France en ce moment, sur le pass culture, par exemple, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, mais on ne va pas se lancer dans le débat. C'est-à-dire de dire on va faire des politiques publiques en suscitant la demande plutôt qu'en suscitant l'offre. Moi, je suis peut-être tout à fait anachronique, mais je suis encore attaché à l'idée qu'on va offrir quelque chose au public. Je pense que c'est un bel acte généreux. Je suis pas très convaincu par le glissement sémantique. Gardez votre micro, Jean-François Chounier, parce que je vais vous poser une question aussi. Parmi les thématiques, et le mot qui revient beaucoup, c'est l'autre. On est tous l'autre de quelqu'un, hein, finalement. Mais, par exemple, pour vous, au MUCEM, l'autre, les autres, c'est qui ? C'est presque tout le monde, c'est nous-mêmes presque. Non, je pense que là aussi, on va pas se lancer dans une définition qui serait alambiquée. Je crois qu'effectivement, on a la chance d'avoir un projet assez simple, hein, qui est un projet enfin, simple à énoncer, difficile à faire, qui est un projet du dialogue euro-méditerranéen. C'est là-dessus qu'on a été fondé. Une fois qu'on a dit ça, la définition de l'autre justement pose un énorme problème parce qu'on ne va pas s'entendre sur dans une ville comme Marseille, je rejoins tout à fait ce que disait Marc, l'autre c'est nous-mêmes aussi. Enfin, on est tous, on a des identités multiples, on a des histoires multiples, donc on ne peut pas, vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas se contenter d'être mis une fois pour toutes dans une boîte. Enfin, c'est là aussi une idéologie qui... Je pense sur lequel il y aurait beaucoup. Au-delà de l'autre, alors quand on dit s'ouvrir à l'autre, ça veut dire s'ouvrir à des publics qui, a priori, ne sont pas ceux qui viennent habituellement. Donc pour vous, c'est... Ça, c'est la vraie question. C'est-à-dire que quand on dialogue avec nos collègues nord-américains qui font des choses merveilleuses en matière dans les musées, il y a un travail exceptionnel sur ces questions justement d'ouverture à d'autres publics ou à d'autres sensibilités, disons, ils sont toujours très surpris de notre pudeur extrême pour ne pas vouloir traiter la question de la communauté. Parce que vous savez qu'en France, dès que vous avez la communauté, vous avez tout de suite quelqu'un qui va vous, au bout de 5 minutes, vous traiter de communautariste. Et donc, si on, dans le cas du MUCEM, si on se laissait arrêter à cela, on ne ferait jamais une expo comme Made in Algeria, qui a pourtant été une expo qui a marqué les relations... On pourrait avoir retiré 15 fois le catalogue, tout le monde nous le demande, parce que c'était la généalogie de ce territoire très mal connu qui était l'Algérie. Donc on nous aurait dit, d'ailleurs des gens nous l'ont dit, on nous a dit, mais pourquoi vous vous intéressez qu'à l'Algérie ? Ben, si, on va s'intéresser qu'à l'Algérie, parce que dans cette expo-là, parce qu'elle a une histoire complètement singulière et que la généalogie du territoire algérien n'est pas la même que celle du Maroc et de la Tunisie et que justement ça mérite d'être déplié et même avant 1830. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette exposition. Mais il y a toujours cette réticence. Ça complique, nous, ça nous a toujours compliqué les choses. Mais après tout, ça nous complique, mais ce n'est pas non plus ingérable. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui va nous dire à un moment donné, mais attention, vous faites du communautarisme. On ne nous dit pas encore islamo-gauchiste, mais ça pourrait arriver aussi. Pour vous, Ali Djilali, s'ouvrir à l'autre, ça signifie quoi ? Vous pensez à qui ? En fait, moi, quand on parle de s'ouvrir à l'autre, des fois j'ai envie de dire il faut que les autres s'ouvrent à moi. Ce serait pas mal aussi de faire le chemin inverse, quoi. Moi, je me suis tellement ouvert dans... Il y a eu tellement d'adaptations, je ne sais pas comment dire ça, depuis mon enfance, depuis le lycée, il a fallu que je m'adapte énormément à l'autre. Et en faisant ce que je fais, c'est aussi dire, mais tenez, regardez, nous sommes comme vous. Et c'est ça, c'est d'en renvoyer dans un effet de miroir. Parce que quand
je raconte la fin de vie, c'est la fin de vie de tout le monde. En fait, vous, nous traversons l'existence et nous mourrons. Sauf que, c'est la même histoire qui nous guette tous, quoi. Et s'ouvrir à l'autre, c'est beaucoup de... C'est beaucoup, beaucoup de chemin à faire, quoi. De chemin à faire culturellement, de chemin à faire à tous les niveaux. C'est vrai qu'on assiste depuis quelques années aux scènes nationales, le grand mot culture qui est là, avec des « mince, il faudrait aller vers ces publics ou ces personnes éloignées ou empêchées de la culture. » Et quand on fait des trajets, et j'en ai fait une expérience, notamment avec Chantal Morel. Chantal Morel est venue dans un quartier populaire à Grenoble, à la Villeneuve. Elle voulait monter un projet dans ce quartier. Dans un premier temps, elle avait juste envie de poser un acte artistique dans le quartier, avec des professionnels. Et comme moi, je suis plutôt quelqu'un qui est en lien pas mal avec la population, au bout d'un moment, avec un autre comédien, on lui a dit « Mais regarde, il y a plein de gens autour qui posent des questions sur « Bon sang, qu'est-ce que vous faites là ? Est-ce qu'on ne pourrait pas les intégrer dans un programme, etc. ?» Au départ, elle n'en voulait pas. Et petit à petit, elle-même a fait ce chemin. Elle-même a fait ce chemin vers cette population, vers ces personnes, vers les gens, je ne sais plus, des fois elle utilisait des termes. Et petit à petit, ils ont été intégrés dans un projet. Et je crois qu'elle s'est ouverte aussi, elle a commencé à regarder. Parce qu'on a les intellectuels qui sont là en train d'analyser les situations, les réalités sociales. Mais des fois, quand ils sont confrontés à la réalité du terrain, tout à coup on se dit « mais bon sang, ce n'est pas ce que j'imaginais ». Et c'est comme ça qu'un projet a pu avoir lieu. Mais je pense que chacun doit bouger, quoi. Doit faire un petit pas de côté et un petit pas en avant. Et tout le monde doit avancer l'un vers l'autre. Moi, je pense que j'ai pas mal avancé. Et quand, des années après, j'ai des copains qui me disent « Au fait, la période des macroutes, c'est quelle période, ça ?» Je leur dis « Mais il n'y a pas de période de macroutes. Les macroutes, il y en a toute l'année. Il y en a un peu plus en période de Ramadan, quoi. » Je me dis « Mais quelque part... » Qu'est-ce qu'ils connaissent de moi, quoi ? Et c'est ce chemin que j'ai envie de faire avec eux, quoi. Tendre la main et qu'ils me tendent aussi la main. Voilà. Alors, la problématique de la restauration du lien social, qui est un peu aussi au centre de cette journée, comment vous quatre, vous imaginez de restaurer le lien social ? Est-ce que vous avez des solutions, des propositions, des envies ? Ça vous inspire quelque chose, ce lien social ? Comment on fait ? Pas facile, on l'avait pas préparé cette question là. Je peux commencer, ça leur donne le temps de réfléchir. Mes camarades, non, je suis pas sûr que ça soit aussi compliqué qu'il y paraît. C'est-à-dire qu'on a eu une série de périodes difficiles qu'on a du mal à analyser. Il faudra le temps pour l'analyser complètement. Mais on ne sait pas ce qui va se passer quand la phase bizarre dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui n'est pas un confinement, qui n'est pas un déconfinement, qui est un mélange des deux, va s'achever. Mais on a quand même eu l'expérience dans les institutions culturelles de ce qui s'est passé l'an dernier. Et objectivement, on s'est quand même aperçu que le lien se rétablissait relativement facilement. Alors, il n'en sera peut-être pas de même dans la phase qui arrive, on ne sait pas, on va le découvrir en marchant, parce que je pense qu'elle a été vécue d'une manière extrêmement différente de nous. On est fermé depuis 130 jours, c'est beaucoup plus que le que la 131, pardon, c'était 130, c'était hier. C'est une période beaucoup plus longue que la phase dite du confinement. Donc, est-ce que les visiteurs, les gens qui font des ateliers et autres vont reprendre le chemin des lieux culturels? Moi, je pense que oui, mais je n'en suis pas sûr. Je dois dire que c'est quelque chose qui va s'expérimenter. On n'en était d'ailleurs pas sûr au mois de juin, quand on a réouvert l'an dernier, d'ailleurs. C'était exactement la même problématique. Beaucoup nous disaient, et c'est ce qui s'est souvent passé dans pas mal d'institutions parisiennes qui ont dû réinventer complètement leur modèle économique, ce qui n'était pas notre cas. C'est-à-dire, ils devaient réinventer un rapport au public, avec un S à public, qu'ils avaient un petit peu perdu. Les grandes maisons parisiennes en matière de musées, par exemple, avaient complètement... négligé ces dernières années le public francilien ou parisien, parce que de toute façon, avec 85% d'étrangers qui visitent le Louvre, il y a un effet, comme on dit, d'éviction qui est mécanique, enfin qui s'était produit. Et là, évidemment, ils doivent se réinventer. Dans le cas des, des,
des lieux à Marseille ou ailleurs, je suis beaucoup moins inquiet parce qu'on n'a jamais été sur cette folie de la billetterie et de l'apport extérieur. Donc le rétablissement d'une liaison avec nos, en tout cas nos habitués ne posera pas de problème, ça j'en suis sûr. La question c'est comment va-t-on ? Donc c'est un peu ce qu'on a essayé d'inventer avec ce qu'on expliquait tout à l'heure sur Destination Mucem, c'est d'inventer. C'est-à-dire, on a le sentiment qu'il faudra certainement aller plus hors les murs qu'on ne le faisait auparavant. Ça pour moi, c'est une certitude. C'est-à-dire, alors, plein de façons d'aller hors les murs, mais on n'a pas le temps de les détailler. Mais vous avez déjà des projets, parce que là, pour le moment, vous allez chercher le public, mais vous avez des projets aussi de... Bah, on l'avait déjà fait. On l'avait fait avec 13 Habitats et la Cité des Arts de la Rue il y a quelques années. Moi, je suis absolument certain que on ne peut pas le faire tout le temps, pour des raisons d'ailleurs tout simplement de budget, mais dans un musée, mais je pense que c'est vrai, Francesca ne me contredirait pas, je pense, sur une scène nationale, c'est que pour que les personnes entrent, il faut aussi nous-mêmes qu'on soit capable de sortir. Ça, c'est une conviction absolue. Enfin, l'expérience grenobloise que vous racontez, je crois, ne dément pas cette assertion qui est vérifiée constamment et qu'on a parfois toujours la fâcheuse habitude d'oublier. C'est-à-dire qu'on fait des expériences, mais on ne les capitalise jamais. Et je pense que ça, c'est une vraie question de politique culturelle, alors qu'on en a la vérification, j'allais dire, expérimentale constante. Il y a Marc qui veut dire quelque chose de ce côté-là. Moi, je voudrais politiser la question, en fait, hein, parce que en réalité, bon, depuis un an, beaucoup de décisions ont été prises de manière assez verticale sur la société dans laquelle on a envie de vivre. Bon, il semblerait que le Covid, on ne s'en débarrasse pas aussi rapidement que ça. Il est probable que des zoonoses viendront de plus en plus. Donc, de toute façon, la question, qui est une question démocratique et politique, c'est quels sont les risques que nous voulons prendre ou pas, collectivement et individuellement, comment on en discute, comment on prend les décisions, comment on fixe les limites. Le problème, c'est qu'en ce moment, effectivement, il y a quand même une dérive un petit peu verticale du pouvoir. Et ce qui est un peu inquiétant depuis un an, moi, ce n'est pas tant le lien social, parce que moi, je ne l'ai pas trouvé dégradé. Bon, moi, j'ai la chance de continuer à travailler, je vois mes élèves dans le quartier, la vie sociale s'est même plutôt densifiée depuis la crise sanitaire, avec des rapprochements entre les gens. Donc, bon, voilà, la vie sociale, je ne la trouve pas tellement en danger. Par contre, ce que je trouve vraiment en danger, c'est le débat démocratique, c'est la parole citoyenne, et c'est des espaces dans lesquels on pourrait vraiment se poser la question, qui voulons-nous protéger en priorité? Quels risques sommes-nous prêts à assumer collectivement? Quels sont les espaces qui sont vraiment dangereux ou pas? Quelle liberté peut-on réclamer? Il y a quand même eu une acceptation du recul des libertés publiques sans que ce soit discuté. Alors c'est peut-être ce qu'il fallait faire, je n'en sais rien en fait. Mais au moins qu'on puisse en discuter, qu'on puisse revendiquer des libertés sans passer pour un inconscient ou quelqu'un qui veut assassiner ses semblables en laissant courir un virus. Et qu'on puisse réclamer des espaces de débat. Je ne sais pas, ce qui s'est passé sur la Convention citoyenne sur le climat, bon, c'est un peu différent, mais c'est quand même intéressant. C'est quelque chose qui avait été arraché en fait, au gouvernement par le mouvement des Gilets jaunes, finalement, si on revient un petit peu en arrière, sur lequel le gouvernement s'était engagé à suivre des propositions qui ont été discutées très sérieusement par des citoyens bien informés, par des experts, et dont finalement, il ne reste pas grand-chose pour la loi. Donc c'est quand même un exemple d'une confiscation démocratique. Et cette confiscation, elle est problématique par rapport à cette maladie, encore une fois, qui risque de durer ou qui risque de voir des formes variantes multiples apparaître. Donc, ce qu'il faut réclamer avant tout, ce n'est pas le lien social, c'est dans quels sont les cadres démocratiques dans lesquels on équilibre la question de la sécurité, de la liberté, enfin, c'est les questions philosophiques de base, mais qu'on puisse en discuter et qu'on n'impose pas des mesures... en plus, assez incohérente, il faut bien le dire, mais surtout de manière verticale et non discutée. Moi, la question, je trouve que c'est une question politique qui va se poser à nous, qui se pose à nous déjà, mais dont il faudrait vraiment s'emparer de manière vigoureuse. Ali ? C'est vrai que le lien social, il est toujours présent. Ce matin, quand je voyais cette table, il y a un tas d'acteurs qui sont présents sur le terrain, un tas d'acteurs qui jouent à leur niveau, que ce soit des comédiens, des médiateurs. Il y a tout un travail qui est fait, des fois dans l'invisibilité. Et je crois que ce qui serait peut-être bien aussi, c'est qu'on travaille avec ces personnes-là, que ça ne vienne pas effectivement d'en haut en bas.
À Grenoble, on a été invité à faire des débats participatifs, démocratiques et tout ça, mais pour qu'en fin de compte, à la fin, il y ait une prise de décision du politique sur ce qui a été décidé. Ça, ça ne va pas. C'est-à-dire, si tu viens me questionner sur comment je vois le monde, comment je vois mon rapport à mon quartier, aux handicapés, aux jeunes, à la délinquance, c'est bien peut-être après de tenir compte de ça. Et puis c'est vrai, qu'est-ce qu'on met comme moyen là-dedans ? Parce que là, nous sommes des comédiens. Ils ont toujours travaillé sur le terrain. Depuis tout le temps, depuis que je suis comédien, je suis toujours allé. On est nombreux à faire ça. Et ils sont très nombreux, les acteurs d'éducation populaire, les associations, je vois Culture du Cœur, je vois plein de gens qui sont là, qui bossent. Mais comment on fait si, effectivement, le politique ne nous donne pas cette possibilité de travailler ça, quoi ? Donc ils sont des fois un peu démunis. Moi, je connais des gens dans ces quartiers-là qui travaillent 80, 90 gamins. Notamment, je pense à Willy de la Batoukavi. Il a 80 gamins qui l'emmènent dans le monde entier faire de la musique et tout. Et en fin de compte, quand tu regardes après, il a peu de moyens parce qu'il n'a pas une salle pour répéter, il n'a pas un lieu, etc. C'est quand même dramatique. Alors qu'il fait un travail, même les maisons de la culture ne font pas ce boulot. Parce qu'il les embarque dans des trucs citoyens, il leur explique comment c'est la vie, et demain, ça donne des enfants autonomes, quoi. Il y a beaucoup d'expérience, le lien, il est là, sauf qu'il faut s'appuyer sur ces gens qui sont ici, avec lesquels on peut avancer, quoi. Il nous reste quelques minutes. Je propose qu'on demande au public s'ils ont des questions pour vous. Non. Est-ce que vous avez encore, vous, des choses à ajouter ou à apporter au débat et aux questions dont nous avons parlé ? On a tout dit. On passe la main à la table ronde suivante. Merci. Je me demande s'il n'y a pas quelques questions qui nous ont été posées. La deuxième était... il y en a une à laquelle on n'a pas répondu parce qu'on était justement en train de la traiter. C'était le lien social. Il y en a une qui vient d'arriver. En reprenant l'exemple de Marc Rosmini, comment fait-on pour faire monter les gens dans le bus ? On offre un ticket. Voilà, offrir le bus, c'est déjà bien. Enfin, je pense qu'après, j'ai pas d'inquiétude sur le fait que les gens monteront dans le bus. Je suis peut-être très optimiste, mais j'ai pas d'inquiétude. On saura les encourager. Non, mais c'est vrai que là, l'effet de seuil, il existe. Hein, et il y a un caractère intimidant. Des lieux culturels, un caractère intimidant, je le disais au début, du mot culture, mais du mot philosophie, nous on le voit, hein, puisque nous proposons avec mes amis professeurs de philosophie des ateliers dans des lieux aussi divers que dans la rue, dans les prisons, dans les maisons pour tous. Donc c'est une vraie question. Après, par rapport à qui est l'autre, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on se représente aussi parfois... Les gens ou les personnes qui sont éloignées des lieux de la culture, en tout cas de la culture classique, de la culture légitime, comme étant forcément des gens en difficulté économique, etc., c'est loin d'être toujours le cas. On sait qu'il y a une déconnexion entre le capital économique et le capital culturel. Moi, je le vois en tant qu'enseignant, je travaille dans le 13e arrondissement de Marseille, donc j'ai des élèves d'un peu tous les milieux. Ce n'est pas un rêve, d'ailleurs, le lycée Artaud. Et je me rends compte qu'en fait, les pratiques culturelles sont parfois plus faibles chez des élèves qui ont un niveau économique très élevé, qui peuvent vivre à Allo, à Château-Gombert, à Plan de Cuc, à Saint-Jérôme, etc. Et, tu disais tout à l'heure, il n'y avait pas de livre chez moi, ils n'ont pas de livre non plus chez eux, il n'y a aucune pratique. Alors que parfois, dans des milieux plus populaires au niveau économique, on a des pratiques culturelles qui sont plus développées. Donc la question de l'altérité, il faut la penser de manière aussi en sortant de ces carcans, parce nous pouvons être victimes de catégories un peu figées. Hein. Tout à l'heure, Jean-François a parlé du mot de communautarisme qu'on met aujourd'hui à toutes les sauces. Et je crois que la culture,
il me semble, ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est aussi lié au langage, en fait. Parce que toutes les expériences qu'on peut vivre ensemble, chez les êtres humains, elles se transforment en dialogue, elles se transforment en langage. Alors, l'altérité, moi, je voudrais juste dire deux mots. S'ouvrir à l'autre, ce qui me paraît parfois difficile, par exemple, soit dans mon métier de professeur de philosophie, soit dans tous les débats que je peux animer dans les lieux divers et variés, j'en ai animé pas mal ces dernières années. D'abord, c'est la question du niveau de langue. Effectivement, quand tu disais le mot suinté, qui ne connaît pas, moi je suis parfois surpris par les mots que mes élèves ne peuvent pas connaître. Et justement, cette question de la violence symbolique, et je leur explique, en fait, là aussi, il me semble qu'il faut faire du métalangage, du métadiscours, et je leur dis, oui, je sais que je peux être violent envers vous, sans le vouloir l'être, mais par mon niveau de langue, donc n'hésitez pas à m'interrompre, etc. Et puis je leur dis, voilà, si vous ne connaissez pas ce mot, tant mieux, je vais vous l'apprendre, et c'est formidable. Après, déconstruire les catégories figées, voilà, le terme de communautarisme, typiquement, me semble devoir être l'objet d'une déconstruction, et c'est une déconstruction qui peut nécessiter justement de la culture. Voilà. Et puis après, peut-être pour terminer par rapport à la façon dont on peut aussi se laisser déstabiliser. Il me semble que s'ouvrir à l'autre, c'est aussi être capable à un moment de faire face à l'inconnu. Je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée. Bon, j'enseigne depuis de nombreuses années, j'ai enseigné dans des lieux assez divers, il me semblait avoir à peu près tout entendu. Jusqu'à il y a un mois où en classe, je parlais des gilets jaunes. Alors pour moi, les gilets jaunes, ma représentation des gilets jaunes, j'ai beaucoup fréquenté les gilets jaunes. On a fait beaucoup d'ateliers de philosophie avec des gilets jaunes. Donc pour moi, c'était plutôt des gens qui discutent de la citoyenneté. Voilà, j'en avais cette image. Et puis j'ai un élève qui me dit, mais je connais bien les gilets jaunes, monsieur. Alors j'étais assez surpris. C'est vrai que là aussi, peut-être un peu victime de mon préjugé, je ne le voyais pas engagé. Il dit oui, il me dit, j'ai cassé des vitrines avec eux, j'ai volé des objets avec eux, en classe. Et ben voilà, pour moi, l'altérité, à ce moment-là, ça a été ça. Ça a été le fait de me dire, ben, en fait, j'ai beau être enseignant depuis des années, avoir une pratique, je ne savais pas comment exactement il fallait que je réagisse à cet événement-là. Et d'une certaine manière, je l'ai intégré à mon cours. Bon, après, j'ai demandé, comme je fais toujours, donc d'abord, j'ai convoqué l'élève à la fin en disant, bon, vous nous mettez quand même dans une situation délicate, parce que vous-même, vous mettez dans une situation délicate. Enfin, vous êtes en classe, vous êtes dans une classe qui est censée faire de vous un étudiant, et peut-être que ce n'est pas la meilleure manière de vous présenter auprès de vos enseignants et de vos collègues, de dire que vous avez cassé les vitrines et volé des objets, etc. Et puis ensuite, j'ai dit à la classe, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, j'ai dit, moi, c'est ennuyeux. Alors, j'aurais dit, quelles questions vous pensez qu'on pourrait discuter autour de cet événement? Le fait qu'un élève raconte qu'il a cassé les vitrines et volé des objets. Donc, ils ont proposé des questions. Et finalement, on en a choisi une, on a débattu dessus, j'ai essayé de trouver des textes dessus. Et justement, voilà, pour revenir à ce qu'on disait, en partant d'un événement qui était imprévu et qui m'a confronté du coup à l'altérité, à l'imprévu, à l'impensé, qui ça rentrait pas dans mon schéma pédagogique de devoir parler de ça spontanément, ça avait rien à voir avec le cours en plus. Hein. Et la question, par exemple, qui a été choisie par les élèves, c'était une question qui était éthiquement très intéressante. C'est quelle est la frontière entre la complicité et la délation immorale, quoi. C'est-à-dire à partir de quel moment on pourrait être jugé complice de ne pas dénoncer tel élève qui dit qu'il a volé des choses, et à l'inverse, dans quel cas est-ce que la délation est illégitime. Et voilà, et ce qui m'a permis en fait de travailler et d'aider l'élève, enfin, je ne sais pas si j'ai réussi ou pas d'ailleurs, mais ça on ne le sait jamais trop, mais en tout cas de donner des outils à cet élève lui-même pour qu'il réfléchisse sur son positionnement d'abord social, par rapport au fait de qu'est-ce qu'on peut dire, dans quel lieu, dans quelle institution. Parce que d'une certaine manière, ça faisait partie de sa culture aussi. C'est ce qu'il a voulu me faire comprendre. C'est que pour lui, c'était assez normal pour lui d'aller voler des objets. Et il m'a dit, monsieur, bon, il n'y a pas de problème, quoi, en gros. J'ai dit, si, il y a un problème quand même. C'est un problème que vous le disiez comme ça, quoi. Et donc voilà, là aussi, la rencontre de l'altérité, ben, en fait, on ne peut pas la prévoir par définition. L'autre, il est imprévisible, quoi. L'autre, vraiment, au sens de ce qui peut être le plus loin de nous, quoi. L'alien, quoi, quasiment, hein, parce que ce n'est pas l'alter ego. Là, je n'étais pas dans l'alter ego. C'est vrai que moi, les gilets jaunes, je ne suis pas allé voler avec eux, quoi, personnellement. Je suis allé discuter de constitution et de démocratie. Et donc, ben, cette altérité-là, moi, elle m'a fait beaucoup travailler. Et je crois que ce qui est important dans ce cas-là, c'est de montrer sa fragilité aussi, en fait. Parce que les personnes, alors peut-être pas les publics, mais les personnes qui se sentent le plus éloignées de la culture légitime, de l'écrit, de, voilà, etc., ils le vivent aussi comme quelque chose de dégradant. Enfin, il y a une question d'estime, quoi. Il y a une question d'estime de soi. Je le vois dans les ateliers en prison, où les détenus souvent nous disent « mais nous, on n'est rien, mais nous, on est les déchets de la société ». Ils parlent comme ça, quoi.
Et montrer aussi sa propre fragilité, c'est-à-dire montrer aussi qu'on n'a pas réponse à tout, montrer qu'on a beau être... Parce que pour mes élèves, c'est sûr que j'apparais comme quelqu'un de très cultivé, évidemment, ce que je suis par rapport à eux, bon, c'est évident. Mais de leur montrer que ce n'est pas parce que j'ai ce bagage intellectuel, etc., que je ne peux pas être moi-même déstabilisé. Donc j'ai tenu à leur dire, ben voilà, c'est vrai que ça, je n'avais pas prévu, je ne sais pas comment réagir, je vais réfléchir et on verra, quoi. Et on parlait d'universalité tout à l'heure. Je crois que ce qu'on peut partager de manière universelle, c'est la vulnérabilité, quoi. C'est que voilà. Et face aux œuvres d'art aussi, nous sommes vulnérables. Je termine parce que je suis un peu long. Mais la dernière fois qu'on est venu ici, donc c'est il y a pas longtemps, il y a trois semaines, on a vu un spectacle. Et moi, vraiment, ce spectacle m'a beaucoup ému. Il m'a fait pleurer, mais au sens propre. J'ai raconté à mes élèves, et alors qu'ils me voient comme quelqu'un d'imperturbable. Enfin, pour eux, je suis la figure, voilà, il me dit vous êtes inénervable, etc., ce que je suis en cours. Et là, j'aurais dit, bah, voyez, je l'ai dit devant tout le monde, je dis, bah, voyez, votre spectacle m'a fait pleurer. Alors, je les ai vus, ils m'ont regardé, ils disent, incroyable, quoi. Et c'était aussi une manière de leur montrer que j'étais certes un professeur, mais aussi un être humain, avec ma sensibilité, ma vulnérabilité, que j'étais capable de pleurer au théâtre et de le dire, et que j'avais pas honte de le dire, quoi. Merci, Marc. Alors, voilà, c'est fini pour nous. On peut quand même repartir avec beaucoup d'espoir, parce qu'entre les spectacles universels d'Alid Gilali, entre les superbes baskets et la collection de désirs d'Hilaria Tourba, le bus qui va sillonner Marseille et ramener les publics éloignés du MUCEM, et la philosophie réparatrice de Marc Rosmini, on a de quoi espérer et de quoi se dire que le déconfinement pourra apporter de belles choses. On fait une pause d'un quart d'heure, ça reprend à 15h35.
Oui. Bonjour. C'est Lionel Gage, je lance une radio. Il m'a donné un décompte. D'accord. Jusqu'à 10, 9, 8, 7, 6 et les 5. Vous avez gros le son. Il nous fera du geste 5. D'accord. Et vous serez où? En face, voilà, en face de vous. En face, d'accord. Ok, parfait. Ok. Et je vais rentrer. Et vous savez qu'on fait dans le film, on dit que le film est en mieux parce qu'on a donné une légère fille. Alors ça, on m'en a pas parlé de ce film. Duc. C'est toi qui présente le film? Bon, on m'a donné une légère fille. Il ne savait pas quand c'était par quoi. Mais c'est qui? Ça concerne qui? C'est un dessin animé. Je ne sais pas qui ça concerne, mais je n'ai pas trouvé. Et ça recommence sur les côtés, hein, c'est ça? Ça va? L'intervention tout à l'heure. C'est ça. Ça recommence. Vous savez quel côté ça commence là-haut? Il faut demander à Jean-Claude. Non, on regardera vers la fin. Vers la fin si on a du temps.
Ezra à la carte. Ezra, voilà. Et Alexia. J'ai bien nommé les noms. Ouais, un garçon et une fille. Hein. Eh bien, nous poursuivons nos travaux de la journée au ZEF, à la scène nationale de Marseille, autour des questions de diversité. Et cette table ronde que nous entamons, eh bien, elle va essayer de conjuguer citoyenneté et culture. Alors, c'est une proposition, mais ce pourrait être aussi une question qui appellerait d'ailleurs un pourquoi et un comment. Je dirais de façon plus simple, plus concrète. La question qu'on souhaite poser, c'est celle-là, au fond. En quoi l'implication de jeunes, pas que des jeunes d'ailleurs, d'habitants aussi, dans des démarches artistiques et culturelles, pourrait-elle favoriser, bien sûr, l'expression de soi, la construction personnelle, mais aussi pourrait aider à mieux s'insérer, au fond, dans la vie de la cité. La vie de la cité, alors au sens littéral et puis au sens symbolique. Alors, pour aborder cette thématique, nous prendrons appui sur les comptes rendus de deux ateliers qui ont eu lieu ce matin même et qui vont être donc présentés dans un instant. Le premier atelier donc portait sur le thème de quelles identités, enfin, au singulier et au pluriel, de quelles identités suis-je fait. C'est difficile à dire, hein, finalement, au singulier et au pluriel. Il était animé ce matin par Emmanuel Vergès. Et le second atelier, en quoi les arts peuvent-ils nous aider à porter un autre regard sur l'autre. Et cet atelier était animé par Sylvia Girel. Et puis nous discuterons avec Salam Okran, ici même, le responsable de la compagnie Tacti Collectif, qui est venu de Toulouse, avec Mama Bourras, comédienne, sur ma droite, avec Bérénice Amidiki, à mes côtés,
qui est sociologue du théâtre, aussi professeur en études théâtrales à l'Université de Lyon 2, avec Alexis Moati, qui est auteur, acteur, metteur en scène, également associé au ZEF et responsable de la compagnie Vol Plané, avec Anne Guyen, sur ma gauche, qui est alors danseuse, chorégraphe, metteuse en scène, auteur, j'ai aussi poète, j'ai découvert cela aussi sur Internet, et bien d'autres choses d'ailleurs, Anne, vous nous raconterez cela tout à l'heure. Mais pour commencer tout de suite, je crois qu'il serait intéressant d'entendre justement ces comptes rendus d'atelier. Ezra Alaka, de quelles identités suis-je fait ? Merci beaucoup. C'était un atelier construit avec des outils, premièrement, d'éducation populaire. Et on a fait des échanges... Un petit peu plus près du micro, Ezra. Pardon ? Un peu plus près du micro. Plus près, comme ça. Ok, je répète, merci beaucoup. C'était un atelier construit avec des outils d'éducation populaire et on a aussi fait des échanges sur nos réflexions sur les identités. Et on a commencé avec un exercice sur nos histoires, nos petites histoires et grandes histoires. Et c'était des réflexions sur deux événements liés à nos identités et à Marseille. Et donc chacune a partagé ces deux récits. Et à partir de là, on a discuté un peu les identités en pluriel qui nous marquent. Et il y a deux notions qui m'ont marquée pendant cet exercice après avoir écouté les récits de participants. Une, c'était une identité marseillaise, et deuxième, c'est une particularité marseillaise. Et en fait, pour moi, ces deux notions qui se réunissent autour d'une possessivité, à mon avis, possessivité sur Marseille, en fait, et possessivité, une identité marseillaise. C'est intéressant parce que Nous avons commencé avec ces réflexions assez personnelles, mais à la fin on est arrivé une identité plus collective que individuelle. Et prochainement, on a parlé aussi des problèmes ou des solutions qui construisent les identités, encore liées à Marseille. Et c'était assez intéressant. Et tout ce qu'on a parlé, tout ce que les problèmes ou les solutions qui construisent ces identités, il y a plusieurs choses. Et on a parlé de foot, de la mer, de montagne. Et on a parlé pas mal de politiques urbaines qui concernent le Marseille. Mais aussi, c'était aussi intéressant ce qu'on n'a pas parlé, comme tout ce qu'on a parlé. Par exemple, les événements qui nous ont beaucoup marqués, comme Noailles, ou des politiques urbaines, transports communs, et comment ça divise les quartiers, et comment il ne permet pas d'accès à d'autres côtés et certaines parties de Marseille. Mais aussi, par exemple, on a parlé très rapidement des discriminations entre les communautés dans certains quartiers, mais... c'était pas un vrai focus de nos sujets non plus. Donc, à ce point, je vous invite aussi de réfléchir par rapport aux identités et pourquoi on ne parle pas de certaines choses et qu'est-ce que ça veut dire, en fait. Et aussi, par exemple, les choses qui nous unissent beaucoup. On a parlé pas mal de foot. Mais on peut dire que aussi le foot c'est un endroit assez masculin et qui construit l'identité de la ville un peu autour de ça. Mais quand même, il y a pas mal de trucs qui se passent dans les villes, entre Marseille, entre les communautés queer ou LGBT+. Et ils ont aussi encore des autres identités, en fait.
On a pas mal parlé de, en parlant de nos identités qu'on construit et des muscles qu'on développe dans une ville et le passage dans une autre ville. Et comment on se définisse par rapport à tout ça. Et si c'est nous qui identifions aussi, qui identifient les identités, c'est nous qui décident où c'est les autres, où c'est la ville qui nous donne cette identité. Et tout ça, en fait, assez dispatché dans l'espace, c'était des discussions de notre atelier. Merci. Merci beaucoup. Bravo, Ezra. Alexia Corestian, je me tourne vers vous. À vous de nous dire en quoi les arts peuvent-ils nous aider à porter un autre regard sur l'autre. Alors, l'art peut des choses seulement parce qu'il s'agit d'art. Donc nous, c'est avec cette citation de l'artiste Thomas Hirschhorn que notre sujet a été introduit et nous a dirigé vers deux questionnements. Qui est l'autre et que nous disent les œuvres? Chacun a pu donner sa définition de l'autre. Pour synthétiser tout ce qui s'est dit, je dirais que l'autre, pour commencer, ce n'est pas moi, mais parfois c'est moi. L'autre, c'est l'inconnu, un inconnu qui attire, qui attise ma curiosité. L'autre crée une tension, du mouvement, une friction, mais nous sommes toujours l'autre de quelqu'un. On a ensuite chacun mobilisé une œuvre, un artiste, qui nous parle de l'autre. On a parlé de Pippo Del Bono, de son travail autour de la diversité, de Peter Brook, mais aussi des artistes qui prennent la parole pour les autres, comme Brett Bailey, de l'appropriation des récits des autres par les artistes, mais surtout de la réception du public face à ses œuvres. Ce qui nous a mené à penser les limites dans l'art. Doit-on s'en fixer? Doit-on contextualiser, se censurer ou seulement accepter le risque du rejet de l'œuvre? Nous avons clos la discussion avec le thème des médiations. Nous avons pu nous demander si, comme pour les artistes discutés plus tôt, ce n'était pas une manière de penser pour l'autre, de créer une barrière de plus entre ceux qui pensent la médiation et ceux qui la reçoivent. Une intervenante, pour illustrer cette pensée, nous a parlé d'un travail de médiation qui avait été réalisé autour de la nudité, avant et après une représentation, mais qui était finalement un peu tombé à côté du sujet, puisque l'élément choquant pour le public ne se trouvait pas dans la nudité, mais dans le gaspillage de nourriture sur scène, ce qui, du côté de la médiation, n'avait pas été pensé. Pour ce qui est de l'échange en lui-même, j'ai ressenti une légère division entre les intervenants qui étaient dans le milieu de la création et ceux du côté de la diffusion et de la médiation, ce qui apportait une vraie richesse à l'échange dans ses contradictions et ses avis qui parfois se recoupaient. Finalement, autour de cette table, nous étions à la fois les mêmes dans les profils, mais dans nos idées, nos avis, nous étions chacun l'autre de quelqu'un. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexia. Merci à chacune pour ces comptes rendus très clairs et très intéressants, et puis qui ont respecté en plus le temps de parole impossible qu'on vous a imposé. Alors, je me tourne vers Salah Mokran, mais en disant aussi à chacune et chacun des intervenants maintenant de la table ronde, qui pourront bien sûr rebondir hein, sur ce qui vient d'être dit, notamment par les deux personnes qui ont rendu compte de ces ateliers. Oui, Salah Mokran, je me tourne vers vous en posant une hypothèse, j'espère que je ne me trompe pas, et en vous disant qu'il me semble bien que Tactique Collectif, son travail quotidien depuis quelques années, ça a été de conjuguer citoyenneté et culture. Alors d'abord, est-ce que c'est vrai et puis ensuite, eh bien, si c'est le cas, comment vous faites? Comment vous y prenez? Bonsoir à toutes et à tous, enfin bonjour à toutes et à tous. Moi je pense que c'est d'autant plus vrai que c'est indissociable, enfin, en tout cas de notre point de vue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Donc ce travail, nous on est à Toulouse, donc une... Alors on le dit d'ailleurs, on dit que Tactique Collectif est une association culturelle et engagée. C'est dans le titre de... Si vous allez sur notre site internet, on le dit comme ça, et d'ailleurs on a aussi emprunté une phrase à glissant sur la relation et sur le fait de ne pas avoir la crainte d'échanger dans cette de changer en échangeant quoi, comme il dit. Et donc on est une association culturelle et engagée avec un intérêt particulier sur on en a beaucoup parlé aussi ici,
cette question des quartiers dont je viens, où j'ai grandi. Et quand je dis où j'ai grandi politiquement, pas seulement parce que j'ai, voilà, pas seulement où j'ai poussé, mais bon, voilà, où j'ai poussé, où j'ai vécu, et où aujourd'hui encore, on essaye d'être présent. Alors d'être présent, on l'est physiquement, et d'être présent aussi symboliquement. Et donc, évidemment, qu'on associe ces deux termes-là parce que les quartiers ne sont pas des déserts culturels et ce ne sont pas des déserts politiques. Et donc, ce ne sont pas des lieux à, pour le dire un petit peu de manière un petit peu brutale, des lieux qu'il faudrait cultiver ou civiliser. Et donc, par contre, c'est forcément des lieux, des endroits, des pensées où on peut amener des choses et se mettre dans cet échange-là, dans cet échange. Enfin, c'est vraiment le compte-rendu des ateliers, cet échange, cette question de la relation à l'autre, cette question des identités. C'est donc des endroits pleins de ressources qui nourrissent l'identité collective. Pour nous, un des enjeux, très vite, ça va être justement de prendre part à ce récit commun et de contribuer à ce récit à partir de notre propre histoire, de l'histoire de nos parents. Ali Djilali en a parlé, par exemple, tout à l'heure, mais aussi de nos préoccupations. Parce que la préoccupation, c'est là où la question de la citoyenneté, elle est centrale, parce que la préoccupation, elle est politique. Elle est profondément politique. Tout ce qu'on essaie de faire ne vise qu'un but, c'est celui de l'égalité. C'est d'aller, voilà, c'est cette quête-là. Voilà, moi, je suis d'une génération qui est la génération, vous savez, de ce qu'on a appelé les marches pour l'égalité contre le racisme, 1983-1984. Donc, de cette génération qui a ancré définitivement notre présence. Quand je dis notre présence, c'est ceux qui peut-être venaient d'ailleurs ou avaient des parents qui venaient d'ailleurs, et notamment de l'autre côté de la Méditerranée et de l'Algérie. Il en a été question ce matin aussi, enfin tout à l'heure, pardon. Donc, voilà, je suis de cette génération-là qui va mettre un terme au mythe du retour. Voilà. Quand, dans les années 80, j'avais 18 ans, enfin, dans ces années-là, et que ce soit pour mes parents ou que ce soit pour ce pays, il y a eu une question qui a été réglée, c'est qu'on était là pour toujours. Enfin, bon, peut-être que mes enfants, ou peut-être que moi-même, j'ai encore 5 minutes, j'irai ailleurs. C'est ça, par contre, il ne faudrait pas que ça me bloque. Mais en tout cas, il y a cette idée-là, en tout cas, que voilà, qu'on était de ce pays, et donc qu'il allait bien falloir qu'on participe au récit de ce pays. Mais ce que, à chaque fois, il y a quand même quelque chose sur laquelle on se retrouve, avec l'Alsace, avec Marseille, c'est que finalement, quand même, ce qui fait qu'on va contribuer à ce récit, au récit de ce pays, c'est qu'on va commencer par contribuer au récit de notre ville. On est d'une ville avant d'être d'un pays. Et moi, je suis Toulousain. Je vais commencer par ça, par raconter, parce qu'il faut partir un peu de quelque chose, un peu de vrai, quoi. Il faut avoir des éléments tangibles. On ne peut pas non plus être tout le temps. C'est très très important le travail des historiens. Il n'y a évidemment aucun antagonisme. Mais de ma place à moi, je vais devoir raconter dans ma ville, dans mon quartier, ce quartier, ces quartiers nord de Toulouse, d'où j'ai grandi, qui sont, et ça vient d'être dit, parce que c'est partout la même chose en France, en pleine transformation. C'est-à-dire que partout en France, le pays, les villes de ce pays sont en pleine transformation, rénovation, recomposition urbaine. Et donc, il y a une espèce d'urgence
à raconter la ville, à raconter le quartier, à raconter notre histoire, l'histoire de nos parents, l'histoire de nos voisins, et donc l'histoire de ce pays. Et donc là, forcément, on est sur un travail citoyen, il me semble. Alors c'est une histoire plurielle aussi, Salah, celle que vous racontez. Vous évoquez à l'instant la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. Alors on pense, il y avait peut-être une certaine référence à la marche pour les droits civiques de Martin Luther King. Et puis cette marche, dans une certaine représentation, on a raconté que c'était la marche des beurs. Est-ce que ce n'est pas un certain dévoiement, finalement, par rapport à l'intention d'origine ? Si, c'est un dévoiement. Mais alors j'ai envie quand même de dire une chose. Alors là, je veux vraiment parler de mon point de vue. C'est quelque chose sur lequel tout le monde et toutes celles et ceux qui ont vécu cette histoire-là ne sont pas toujours d'accord. Moi, au début, ça ne m'a pas déplu qu'on nous appelle les beurs. Parce que ça faisait un peu, ça swingait quand même. C'était, voilà quoi. Parce que justement, la référence à la marche de Luther King, c'était un peu notre combat et notre lutte à nous pour les droits civiques. Donc on était un peu des Américains. C'était un peu la classe quand même d'être des Américains. C'était, bah voilà quoi. C'était quand même, voilà, il y avait un petit truc. Et donc ça m'a pas déplu. Mais évidemment, très vite. J'ai bien vu qu'à travers, j'ai bien compris, bon, j'étais quand même assez jeune à ce moment-là, mais il a fallu un peu de temps, mais il y avait des militantes plus expérimentées qui m'ont mis la puce à l'oreille, qu'il y avait quelque chose quand même d'un petit peu, on était en train un peu de nous la faire à l'envers, comme on dit, quoi, avec cette histoire de beurre, et puis ensuite avec cette histoire des SOS racisme et compagnie. Je dis ça parce qu'en fait, il y avait... Je parlais tout à l'heure de cette question de la fin du mythe du retour. Il y avait, à un moment donné, là, une occasion. Moi, je pense que c'était une occasion en or d'avoir l'émergence d'une génération politique qui n'était pas seulement les beurs, hein, parce que dans ces marches pour l'égalité, évidemment, il y avait des gens de toutes origines, même si ceux qui étaient ciblés, puisque c'était quand même consécutif à des assassinats, à des morts en région lyonnaise, quelques années après la période des crimes de Marseille, des choses comme ça, donc des crimes racistes. Donc, il y a une occasion qui a été un peu loupée, et c'est pour ça que j'ai dit on nous l'a fait un peu à l'envers, parce qu'on l'a un peu... qualifié de cette manière-là, donc du coup ça nous a mis un petit peu sur une dimension, déjà un petit peu la dimension un peu médiatique, et sur le plan politique, je parlais des SOS racisme, parce que là on était, même si les gens peut-être sans doute qui ont adhéré à ce mouvement-là étaient tout à fait sincères, et il y en a sans doute, il y en avait des choses intéressantes, il y a des choses intéressantes à en tirer, pardon, j'essaie de faire vite pour pas être trop long, mais Ça a sorti cette logique-là, elle a sorti ce combat de la dimension justement des droits civiques, de l'idée que les personnes concernées soient les acteurs, les sujets de ces combats, et que il ne s'agissait pas de nous dire on va vous accorder l'égalité. Ça marche pas comme ça. Donc, vous savez, je pense juste pour un mot, parce qu'elle me fait toujours rire, c'est le regretté Rachida, qui nous a quittés il y a 2 ans maintenant, disait, c'était un blagueur, hein, mais il disait SOS racisme, c'est comme SOS baleine. SOS baleine, c'est pour sauver les baleines, et SOS racisme, c'est pour sauver le racisme. Bien, merci, Salah. Je me tourne vers Alexis. Alors, Alexis Moati, vous avez voulu parier sur la jeunesse en tant que metteur en scène, et puis vous avez osé, ici même, hein, OSEF, une expérimentation, je crois, assez audacieuse. Et cette expérimentation, vous avez souhaité la relier à votre propre démarche artistique. Alors, j'aurais envie que vous nous racontiez un peu comment vous avez construit ce projet avec un certain nombre de jeunes. Bonjour à tous. Alors, oui, au départ, c'était, on est toujours donc une compagnie de théâtre. On a travaillé pendant 6 ans sur un cycle sur la jeunesse et l'adolescence.
Donc on faisait des ateliers, on répétait dans des lycées professionnels ou lycées généraux, un peu partout en France. Et on s'est rendu compte finalement qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas pensé, qui était, au lieu de faire des ateliers et de faire des répétitions l'après-midi, les ateliers le matin, les répétitions, de mélanger et de chercher tous ensemble la même chose. Je me suis rendu compte, et on s'est rendu compte avec l'équipe, qu'on enseignait bien ce qu'on cherchait et que finalement, on pouvait accueillir au sein d'un projet de compagnie un groupe de jeunes gens. Et quand on est arrivé à la Gare Franche, donc avant d'être artiste associé au ZEF, on a tenté cette expérience qui était ce groupe de jeunes gens dont Mama et Eddie, qui est là aussi, on fait partie, qui s'appelait le groupe des 15, et qui était une aventure qui associait en fait une bande de jeunes gens issus de tous les quartiers de Marseille, avec une majorité des quartiers nord, mais pas que, et d'essayer de créer des rencontres improbables à travers notre projet artistique, qui était au départ, on travaillait sur le personnage d'Alceste, donc ils ont travaillé sur le misanthrope, et puis après ils partaient en tournée avec nous, on a fait des voyages avec eux, on a rencontré d'autres artistes. Donc c'était les mettre dans un bain qui nous était... c'était aussi essayer d'être égoïste, voilà, c'est ça. C'est-à-dire de ne pas être plein de bons sentiments et de se dire il faut absolument s'occuper de la jeunesse et de se dire non, ça peut nous apporter quelque chose. Et effectivement, petit à petit, il y a eu une porosité entre la troupe des acteurs professionnels et les jeunes gens. Et il y a eu des travaux communs de plus en plus, des choses qui se sont mélangées, notamment des travaux de recherche, et qui a donné lieu à une deuxième expérience qu'on fait ici avec le groupe Miroir, où là on pousse un peu plus loin le bouchon, où on se dit que les jeunes gens vont travailler aussi avec, puisque là on est dans un théâtre, on n'est pas qu'une compagnie, même si la Gare Franche était un lieu, mais c'était un lieu de création, enfin un lieu de répétition, une fabrique. Là c'est un lieu de diffusion, donc le projet, il associe aussi toute l'équipe du théâtre, c'est-à-dire les services où chaque jeune gens, au-delà de sa pratique, va pouvoir expérimenter un travail avec chaque service pour concevoir une carte blanche en fin de cycle, où vont pouvoir programmer, inviter, donner un peu la parole et se dire que finalement, parler de la jeunesse, moi j'ai 50 ans, donc c'est super, j'ai plein d'avis, très intéressants sans doute, mais qui ne sont pas toujours justes. Donc peut-être c'est aussi à un moment les écouter et voir ce qui pouvait résonner. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire que c'était quelque chose comme une autre école de formation, ce que vous avez créé? Je crois qu'en fait, c'était un projet sur l'engagement, le groupe des 15, l'engagement parce que ça durait 3 ans. Le groupe Miroir, c'est un projet qui dure 3 ans aussi et que je qualifierais plus sur l'autonomie. C'était quoi la question? Ah oui, c'est une autre formation. Oui, je pense qu'on est exactement, on est à l'endroit, on est le chaînon manquant entre l'école et le projet professionnel. On ne forme pas des acteurs, même s'il y en a certains qui ont brillamment réussi des écoles nationales, mais pas que d'acteurs. D'ailleurs, ça serait important de le dire. Hein. C'est que c'est pas uniquement pour faire des comédiens, et que je pense que l'histoire de la diversité, c'est pas uniquement faire que nos plateaux ressemblent à la société, c'est aussi donner ou transmettre des outils pour qu'il y ait des metteurs en scène, des auteurs, des scénographes, des programmateurs, des gens qui travaillent dans tout ce secteur-là. Ça, je pense, c'est très important. Pas uniquement réserver ça au plateau de théâtre. Et ce chaînon manquant-là, en fait, c'était cette histoire d'égalité aussi, c'est de pouvoir dire aux jeunes gens, vous avez peut-être un rêve qui vous semble inaccessible, peut-être que ça ne l'est pas. Et que la pratique artistique va vous permettre de pouvoir aller vers ce rêve, en vous connaissant un peu mieux, en connaissant les autres, parce que faire du théâtre, c'est d'abord l'art du groupe, l'art de l'autre. Donc, voilà, force, voilà. Et est-ce que vous avez été suivi, soutenu par les institutions, les collectivités publiques? Parce que votre projet, au fond, est-ce qu'on savait vers où vous alliez? Oui. Oui, on est soutenu, hein, bien sûr, mais en même temps, la difficulté, c'est qu'on n'a pas de convention sur 3 ans. Donc chaque année, on ne savait pas, en tout cas pour le groupe des 15, là, on est vraiment en appui avec une institution beaucoup plus, une scène nationale, donc plus forte, qui nous épaule.
Mais au départ, à la Gare Franche, c'est vrai qu'on était très épaulés par l'équipe de la Gare Franche, mais avec cette incertitude de savoir comment on allait continuer le projet chaque année. Donc ça, mais oui, et puis c'était très important pour nous, et je pense à Amandine, Carole Costantini qui fait partie du projet évidemment, et Amandine aussi qui a suivi les deux projets, qui travaille à la Gare Franche et qui maintenant travaille au ZEF. C'était aussi de diversifier les sources de financement, ne pas faire appel uniquement aux collectivités territoriales, politiques de la ville, régions, DRAC, mais aussi d'essayer d'aller vers les fondations, vers d'autres formes de financement. Oui, oui, bien sûr. Merci Alexis. Je me permets de préciser que dans le numéro de l'Observatoire qu'on consacre à cette thématique pour un autre récit de la diversité, on peut retrouver un long entretien de vous. Qui détaille cette histoire vraiment passionnante. Et puis, je suis aussi heureux de présenter à la caméra ce numéro parce que, si vous le remarquez, il y a une très belle photo de couverture. Et alors, sur cette photo de couverture, il y a notamment Mama Bourras avec un de ses camarades de projet. Et Mama Bourras, ben, du coup, j'aimerais que vous nous disiez, vous êtes comédienne aujourd'hui et vous avez participé à cette aventure. Alors, je voudrais que vous nous disiez comment vous y êtes entrée. Et puis, qu'est-ce que vous en avez retiré? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce qui s'est passé entre les jeunes? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Et puis, l'équipe de Volplaner, l'équipe de la compagnie d'Alexis. Merci. Bonjour. J'ai mon cœur qui bat à 2000, je ne sais pas pourquoi. Donc, l'aventure a commencé pour moi et mon cher camarade Eddy à 5 ans, je crois. 5, 6 ans, même plus. Moi, pour ma part, j'étais à Saint-Exupéry, donc lycée Nord à Marseille. Et donc, je faisais l'atelier théâtre et cinéma. Et je voulais en faire un métier, mais j'étais assez fainéante, question enseignement, question école. J'ai eu la chance d'avoir une professeure principale qui s'appelait Madame Chevet, ma professeure de philo, qui se renseignait pour moi, parce que j'avais l'impression que c'était très très loin ce monde pour moi, d'intégrer des écoles, de faire des formations, et on n'arrêtait pas de me dire que j'avais besoin de me former, d'avoir un bagage. Mon père, le premier qui me demande d'avoir un bagage pour qu'il parte tranquille. Et donc, un jour, à l'atelier théâtre, l'après-midi, où on faisait que 3 heures ou 4 heures et qui était vraiment pas beaucoup, on voit arriver deux anges. Donc Alexis et Carole, qui est dans la salle aussi, avec Bérangère, qui était avec Bérangère. Et en fait, ils sont arrivés en nous expliquant le projet du groupe des 15. Et évidemment, je me rappelle de ce jour-là, j'étais surexcitée comme pas possible. Et j'ai retenu que les mots-clés, c'est-à-dire théâtre, 3 ans, compagnie, et théâtre. Donc j'avais vraiment besoin d'en faire tous les jours. C'était un besoin vital, et en faire que 3 heures au lycée, c'était vraiment difficile. Et je sentais que j'étais pas avec des gens qui étaient à 100%, qui avaient envie d'en faire un métier. Donc on n'était pas à la même échelle d'envie, de passion. Et donc l'aventure a commencé où on a passé une genre d'audition. On était beaucoup. On était censé être 15, du 15e... Enfin, il y a eu beaucoup de changements, et puis on s'est retrouvés à 25 de presque tous les quartiers de Marseille, même à côté. Et donc l'aventure a commencé. Je suis restée 2 ans au lieu de 3 parce que j'ai eu la chance, du coup, d'avoir, comme je les appelle, mes anges, parce que ils m'ont poussée, ils m'ont dit les choses, ils m'ont dit que j'étais capable et que ma passion et que mon envie de qui brûlait pour les planches, c'était tout ce dont j'avais besoin. Et donc, ils m'ont motivée à passer des concours. Et le conseil que j'ai écouté à moitié, parce que du coup, j'ai passé qu'une école sur 12 en France. Et après 2 ans d'aventure du groupe des 15, où j'ai appris à avoir une famille théâtre, à avoir les autres, où j'ai appris beaucoup de choses, j'ai intégré l'ERAC, donc l'école d'acteurs de Cannes et de Marseille. Donc c'est une école sur 3 ans où on passe 2 ans à Cannes et la 3e année on revient à Marseille. Et j'avais besoin de partir, mais pas très loin, de pas vraiment m'éloigner de Marseille. Et c'était sûrement de la peur, ce qui est toujours présente aujourd'hui. Et donc voilà,
j'en sors et j'en sors pas parce que j'étais censée finir l'ERAC depuis quelques mois. Et puis avec notre cher ami Covid, le directeur a fait les choses bien, on va dire ça comme ça. Il a proposé de prolonger d'une année ou deux la formation pour ne pas nous laisser partir dans le monde professionnel tout seul et puis un peu perdu et sans clé. Donc je suis encore étudiante à l'ERAC, mais à côté, j'ai eu la chance d'être engagée sur des spectacles et puis voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est voilà, de devenir une comédienne professionnelle et de faire ce parcours de vie maintenant. C'est de devenir, de savoir qui je suis. Et le groupe des 15, et juste après l'ERAC, m'a permis de faire face à moi-même, et, enfin, de me regarder et d'apprendre mes peurs, de regarder en face mes peurs, mes questions, et ce dont j'ai besoin pour être comédienne, parce que je pense qu'on ne se réveille pas un matin et on se dit je veux être comédien, parce que c'est, même si ça peut arriver, je pense, de plus en plus en 2021, mais je pense que en passant des castings, des auditions, en voulant en faire, je pense qu'il y a un frein, il y a des freins qui se mettent devant nous, et c'est très compliqué. Et que ce soit jeune ou plus âgé, ça, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Et donc, j'ai juste appris. En fait, quand j'ai rencontré Alexis et Carole, je me sentais vide. Je me sentais vide et prête à exploser en même temps. J'arrive à mettre des mots aujourd'hui parce que c'est 6 ans plus tard. Mais on me répétait tout le temps que je venais des quartiers, que j'étais algérienne, que je suis née en Algérie. Je suis arrivée en 2004 en France. Donc les gens me disaient qui j'étais, mais je n'arrivais pas à mettre des mots sur qui j'étais et à mettre des mots sur ce que je ressentais. Et donc le théâtre m'a permis, et le groupe des 15 m'a permis de, même si je n'avais pas les réponses sur le moment, des formations, des stages, j'en ai la moitié aujourd'hui, j'ai des réponses, quelques réponses aujourd'hui. Et je me dis que c'est un long chemin, encore très très long, mais c'est bien parce que je sens, quand je regarde en arrière, je sens que je comprends mieux les choses, que je comprends mieux pourquoi je ressens ça maintenant et pourquoi demain je ne ressentirai pas ça et pourquoi j'ai besoin de prendre la parole et pourquoi j'ai besoin d'être comédienne, même si je pense que je n'aurai jamais la réponse. Et voilà. Donc j'apprends à être moi. Et du coup, dans le groupe des 15, ils ne forment pas des comédiens, mais des êtres humains d'abord, avec nos questionnements, nos peurs. Et c'est ça que je retiens du groupe des 15 en premier. Merci beaucoup. Alors moi, je retiens deux formules hein, que vous venez de prononcer. La première, c'est savoir qui je suis. Vous répondez un peu quand même à la question que nous nous sommes posée tout au long de la journée. Et puis la seconde formule, c'est ils m'ont dit que j'étais capable. Et cette question de la confiance, elle est quand même très importante. Alors du coup, j'ai envie de me tourner vers Anne Guyenne et puis de lui poser cette question de la confiance. Comment peut-on donner confiance en impliquant voilà, des personnes dans des projets artistiques? Je voulais ajouter quelque chose à Anne Guyenne. Tout à l'heure, j'ai dit tout ce que vous étiez et j'ai oublié de mentionner que vous étiez aussi musicienne. Mais, alors, je suis un peu scotché par tout ça, par tout ce que vous arrivez à toucher, à faire dans vos activités artistiques. Alors, j'ai plutôt envie de vous interroger sur votre pratique de chorégraphe, puisque c'est le cœur de votre métier. Et vous jouez avec le hip-hop, et j'allais dire avec la diversité des danses qui relèvent du hip-hop, et que l'on range sous ce vocable. Alors, comment vous, justement, j'aimerais que vous nous racontiez comment vous travaillez, comment vous fabriquez vos projets et comment les thématiques que nous abordons là cet après-midi résonnent dans vos pratiques. Oui, bonjour à tous. Déjà, les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui résonnent très fortement pour moi parce que le hip-hop, c'est une culture populaire qui vient vraiment de gens qui étaient plongés dans le multiculturalisme, qui partageaient
de la danse, de la musique, des moments ensemble. Et la culture hip-hop, c'est vraiment la culture de la réappropriation musicale avec la culture du sample, de la réappropriation des cultures des autres, de la réappropriation de l'environnement urbain, de même des vêtements. Donc la manière de s'habiller fait partie de l'esthétique, de ce qu'on développe. On essaie de détourner les choses. Voilà, on s'approprie l'espace urbain. Voilà, c'est vraiment une culture du on fait avec ce qu'on trouve, ce qu'on voit, et on est construit de tout ce qui est autour de nous. Voilà. Et donc moi, je suis moi-même breakeuse dans ce hip-hop. J'ai vécu dans cet environnement et j'ai fait le tour du monde grâce à ce milieu. Donc j'ai rencontré des gens vraiment de tous les horizons, et c'est vraiment ça qui m'a nourrie. Et donc là, vous me demandez comment je chorégraphie, mais en fait, à la base, je n'avais pas du tout prévu d'être chorégraphe. Voilà, moi, j'ai fait des études scientifiques. Et en fait, j'ai fait de la danse en parallèle. Et puis finalement, je me suis professionnalisée dans la danse hip-hop parce qu'on m'a poussée à faire des auditions. J'ai été recrutée dans des compagnies, notamment la compagnie Black Blanc Beurre, donc le terme beurre, et qu'on a renommé Black Blanc Bronze parce qu'il n'y avait pas de beurre, mais il y avait beaucoup d'Asiatiques. À l'époque où j'y étais. Et donc, j'ai été interprète et je faisais beaucoup d'auditions où je me rendais compte que les danseurs que moi je trouvais incroyables n'étaient pas pris. Et ça m'énervait. Bon, moi ça va, j'étais prise parce que je tournais sur la tête, je faisais des saltos arrière, bon, ça allait. Mais je ne comprenais pas pourquoi les chorégraphes ne comprenaient pas notre danse, notre culture. Donc j'ai pris la responsabilité de commencer à chorégraphier finalement pour mettre en scène les personnes qui pour moi représentaient ce qui me touchait, représentaient une liberté, tout un système de valeurs que j'avais envie de montrer au monde et que j'essaye de montrer au monde grâce à la chorégraphie. Donc dans mes chorégraphies, j'essaie vraiment de comprendre ce que moi, je vois quand je vois un danseur, qu'est-ce qui me touche quand je le vois. Et à travers une mise en scène, ça peut être géométrique, ça peut être des actions, actions-réactions que les danseurs vont avoir les uns sur les autres, ça peut être un rapport au public. À travers tous ces symboles, ces choses très abstraites, j'essaie de rendre les choses plus visibles pour le public. Ce que moi j'ai vu de manière brute dans un battle ou dans la rue, j'essaie de le rendre plus... peut-être plus symbolique encore et de le développer. Parce que quand la danse hip-hop, c'est quelque chose, souvent on danse une minute ou même 30 secondes, on voit plein de choses et un spectacle, ça peut durer, ça peut durer une heure ou plus. Et donc dans cette heure de spectacle, j'essaie vraiment de faire comprendre aux spectateurs qui est le danseur. Voilà, on en revient toujours à cette question. De quoi il est fait, donc de ses identités multiples, et qu'est-ce que lui, à travers tout ça, il essaie d'exprimer de son ressenti dans le présent, dans notre société contemporaine, et des limites qu'on peut avoir. Donc voilà, chacun de mes spectacles est très différent. J'ai fait des spectacles avec différentes disciplines de danse hip-hop, parce que, voilà, on parle de danse hip-hop, mais en fait, effectivement, les danse hip-hop, on pourrait en citer des dizaines. Et il y en a qui se créent encore aujourd'hui. Il y a les danses hip-hop plus anciennes, comme le break que moi je pratique, qui, même s'il y a les Jeux Olympiques de break qui arrivent, qui sont quand même de moins en moins présentes dans la pratique de la jeunesse. Il y a des nouvelles danses qui sont beaucoup plus populaires, qu'on voit plus sur les réseaux sociaux et pas du tout sur les scènes des théâtres. Mais en tout cas, c'est une culture qui se renouvelle sans arrêt. Et voilà, j'essaye de pas tout amalgamer et de dire voilà les jeunes, voilà ce qu'ils font aujourd'hui, mais voilà les jeunes qui font tel gestuel, ils se ressentent comme ça, et donc je fais un spectacle de popping, je fais un spectacle de break, je fais un spectacle de locking. Voilà, j'ai fait un spectacle récemment aussi sur la diversité des danses dans hip-hop et pas seulement, qui incorpore des danseurs classiques, contemporains, voguing, crump. Et à chaque fois, j'essaie de montrer voilà, des choses qui sont fortes, qui vont au-delà des mots, à travers la gestuelle, à travers la relation à l'autre qui peut se dessiner dans les corps. Et très récemment aussi, j'ai commencé donc à écrire et à mettre en scène des spectacles de danse-théâtre, dont un spectacle que j'ai créé en 2020 qui s'appelle Le procès de Goku, qui est joué in situ en salle de classe
pour les collèges et les lycées, et qui est un spectacle en fait, qui met en scène un procès d'un danseur qui a fait un pas qui était déposé et qui est jugé par un juge voilà, qui est un petit peu bizarre et qui va être jugé par les élèves de la classe. Voilà, puis je prépare aussi d'autres spectacles dans cette veine avec aussi ce côté plus explicite que j'essaie de ramener maintenant avec le texte. Alors, je vois qu'il y a, un internaute qui nous pose une question et j'ai envie de vous la retourner justement. L'internaute, il nous demande, peut-on dire que les pratiques culturelles sont émancipatrices ? Moi, j'ai envie de transformer un tout petit peu la question et de vous demander, d'après votre expérience et avec le travail que vous menez avec les jeunes, est-ce que les pratiques artistiques sont émancipatrices ? Alors, je ne travaille pas qu'avec des jeunes. Enfin, je ne sais pas si vous pensez que je suis jeune, mais oui. Je travaille avec des gens de ma génération aussi. Moi. Parce que danser, ça conserve bien. Donc. Mais, en fait, par rapport à ce qui a été dit dans la table ronde précédente, j'ai envie de rebondir sur le mot être acteur, en fait, agir et se sentir vivant dans ce qu'on fait. Donc ça peut être une passion, comme le théâtre, ça peut être la danse, ça peut être plein de choses. Et la richesse de la France, c'est d'avoir cette politique culturelle où on a vraiment accès, pas partout, mais on essaye à des choses voilà, qu'on peut pratiquer, qu'on peut aimer, qu'on peut admirer. Et je pense que si on arrive à se rattacher à quelque chose, à ce qui nous correspond le plus, on a un objectif, parce que c'est pas évident de se dire mon objectif c'est de faire tel ou tel métier. Donc tout de suite, voilà, voir un danseur, voir un acteur, voir quelqu'un qui fait rêver par ses mots ou par son état, ça peut inspirer énormément. Ah oui, se sentir vivant, c'est très émancipateur, non ? Bérénice Amidikim, j'ai envie de vous céder la parole maintenant pour peut-être que vous tiriez quelques fils déjà de la discussion et puis peut-être aussi des comptes rendus d'ateliers de tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que sociologue aussi, mais en tant que spécialiste des arts du spectacle, ces différents échanges, ces différentes réflexions. Vous qui êtes aussi, j'allais ajouter, une spécialiste des questions de diversité, puisque vous avez aussi beaucoup écrit sur le sujet. Vaste mission. peut-être que pour commencer, je voudrais revenir sur la façon dont la question est formulée justement comme une question. Comment conjuguer citoyenneté et culture ? Et en tout cas, moi, il y a quelque chose qui me plaît bien dans le fait de le poser comme quelque chose qui n'est pas évident. Qui va pas de soi et qui peut même poser problème. Et je pense qu'on peut le prendre dans les deux sens. Qu'est-ce que la culture fait à la citoyenneté ? Et puis, évidemment, qu'est-ce que la citoyenneté fait à la culture ? Et je pense que tout est, évidemment, comme assez souvent, une question de définition. Et pour m'emparer, moi aussi, de la question qui était posée tout à l'heure, peut-on dire que les pratiques culturelles sont émancipatrices ? Alors là, je vais parler quand même beaucoup des pratiques culturelles dites légitimes, et en particulier du spectacle vivant et même du monde et du modèle du théâtre public, parce qu'en France, c'est quand même, ça a été voilà, une institution culturelle exemplaire, le théâtre public, ça l'est sans doute encore dans une certaine mesure, et je pense aussi que du coup, c'est une des scènes très intéressantes pour penser les contradictions, les tensions extrêmement fortes du modèle républicain aujourd'hui, les tensions qui sont à l'œuvre à travers ces concepts justement qu'on a beaucoup beaucoup entendu, hein, d'universel, de diversité, d'altérité aussi. Et je pense qu'il y a quelque chose. Enfin, moi, j'étais assez sensible dans des interventions là tout de suite, se poser par exemple la question, enfin qu'une formation pose la question et permette à des gens de se poser la question qui je suis, qu'est-ce qui me constitue, comment je et puis aussi du coup comment je me définis comme une singularité libre, voilà, ça me paraît un merveilleux projet de formation pour le coup dont je vois bien le potentiel émancipateur, et notamment parce que il amène et il permet une forme d'introspection, aussi une forme de réflexivité, au-delà, mais en tenant compte, j'imagine aussi, des assignations.
Et cette notion d'identité sur laquelle on est beaucoup revenu, elle mérite aussi d'être définie de façon un peu processuelle, parce que c'est vrai que et puis toutes les identités ne se valent pas. Il y a l'identité, c'est processuel, donc c'est des processus qui sont à la fois des allodéfinitions, c'est-à-dire qu'on est identifié de l'extérieur, et puis on s'identifie depuis tout petit, on le sait, c'est des processus qu'on a tous vécu, on s'identifie à des personnages, on s'identifie après aussi à des communautés, à des groupes d'appartenance, éventuellement pluriels, mais on n'est pas tous égaux face à ça, parce que d'abord il y a des identifications qui sont valorisées et d'autres qui sont dévalorisées, et puis on a plus ou moins de liberté à se définir de manière autonome et plurielle aussi. Et ça m'amène à la notion de diversité qui est effectivement extrêmement problématique dans la manière dont on la configure aujourd'hui, souvent dans le débat public, puisqu'il y a les divers et les autres. Hein. Et puis, il y a surtout ceux qui sont nommés et ceux qui ne sont pas nommés. Et une des clés des processus d'altérisation, en fait, de certains d'entre nous, c'est qu'il y a des gens dont les identités peuvent être, encore une fois, libres, plurielles, se reconfigurer à l'infini. Et puis, il y a des gens qui sont assignés, en fait, un peu à résidence identitaire. Tout à l'heure, j'étais sensible à la formule de Ali Djilali quand il disait, qui renversait justement la question. Vous évoquiez tout à l'heure aussi le fait de l'affaire à l'envers. Enfin, c'est vrai qu'il y a ceux qui sont sommés d'eux et puis ceux qui sont libres de se définir ou pas, en fait, hein, et de se redéfinir. Et pour penser ces questions-là, il y a une chercheuse qui, je trouve, a fait un travail absolument remarquable. C'est Réjane Sénac, qui est une politiste, et qui a écrit toute une série de livres qui avancent comme ça dans la réflexion, qui se répondent aussi les uns aux autres. Et notamment un qui s'appelle « L'égalité sous conditions », qui est plutôt le système dans lequel notre modèle républicain fonctionne actuellement, et puis ce qu'elle appelle de ses voeux, ce qu'un certain nombre de chercheurs, de militants aussi appellent de leurs voeux, qui serait une égalité sans condition. Et c'est cette différence, hein, et en fait tout ça tourne autour de cette notion de diversité. Elle explique que, par exemple, elle a beaucoup travaillé sur la parité, notamment, et à quelles conditions, par exemple, on va valoriser le fait que des femmes arrivent en politique, ou à quelles conditions est-ce qu'on va valoriser le fait que des gens issus de la diversité, et là déjà on a compris qu'en fait il ne s'agit pas d'une diversité qui concernerait tout le monde, justement d'une diversité universelle, c'est-à-dire qu'on est tous divers, parce qu'on est tous singuliers, mais qu'il y a les semblables et les divers. Et un des privilèges des semblables, c'est précisément qu'ils vont sans dire, et puis qu'ils sont tellement le centre, et puis ils occupent tellement tout l'espace, qu'ils sont ceux qui peuvent altériser, mais qui ne seront jamais, eux, altérisés, sauf quand ils le décident. Et elle montre de manière, je vous renvoie à ses livres, mais de manière extrêmement convaincante, la manière dont, dans l'espace public, certains vont être là, mais comme sur Strapontin, hein, inclus dans le cercle des semblables, mais justement comme une faveur qu'on leur ferait, et sous condition, et notamment, et c'est là que le piège se referme, il y aurait une autre manière de configurer ça sur un plan plus psychanalytique, mais il y a vraiment un dispositif pervers, moi je dirais, qui est à l'œuvre. Puisqu'il y a une assignation comme ça à être inclus, mais sous couvert de performer sa différence, en fait. Hein. Et donc, à la fois, le divers, c'est celui qui va toujours l'être soit trop, soit pas assez, qui va soit pas assez s'intégrer, soit s'être trop intégré et donc renier, et qui, donc, du coup, n'a plus d'intérêt, parce qu'en fait, ça ne sera jamais vraiment comme semblable et comme un parmi nous qui va avoir droit de citer, justement, mais toujours comme... qui doit rester différent pour être inclus dans un groupe d'eux-mêmes, mais dont il va rester à la fois dans cette position intenable, à la fois avec et en dehors. Voilà. Et je pense que cette question-là, malheureusement, c'est une question qui est extrêmement vive et extrêmement vivement entretenue, il faut le reconnaître, hein, par les institutions culturelles du théâtre public aujourd'hui, qui fait face d'ailleurs, hein, et c'est
D'ailleurs, un des intérêts, c'est sans doute que ça permet, je pense, aux débats qui sont actifs dans le champ théâtral de se reconnecter aux grands enjeux politiques du moment. Ça faisait très longtemps, je pense, des décennies qu'il n'y avait pas eu des couvertures de grands quotidiens sur des polémiques qui agitaient le monde théâtral. Mais parce que vraiment, encore une fois, je pense que le théâtre public, il est absolument exemplaire des tensions qui sont vraiment en train d'exploser, enfin de sauter aux yeux de tout le monde, ce qui, à mon sens, est une très bonne chose. Mais ça pose, à mon sens, la question d'un énoncé de la conflictualité sur toutes ces questions-là. Et c'est vrai que je pense qu'il y a encore un travail à faire. Par exemple, je pense que la notion de citoyenneté aujourd'hui, à mon sens, elle a perdu de son potentiel émancipateur parce qu'elle est en fait assez pétrifiée et pétrificatrice, je dirais, notamment parce que souvent on sépare en fait derrière, il y a des lignes de partage assez fortes en fait. Par exemple, oui, effectivement, pour moi la notion de public, elle va plus de soi non plus, parce que c'est le public contre les artistes, et du coup le public, il est là quand même un peu aussi assigné à une place de recevoir. Alors là, c'est pas recevoir le savoir, c'est recevoir la culture, de devoir se former. Mais par exemple, qu'est-ce que ce serait un public à qui on dirait qui es-tu? Mais enfin, plus exactement, un public qu'on mettrait en position de se poser librement la question « qui suis-je ?» et collectivement et chacun des spectateurs aussi. Et je pense que tant qu'on sera dans cette répartition des places entre les spectateurs et les acteurs, je ne parle pas des formes sens esthétiques, hein, simplement, mais de la manière dont les pouvoirs publics, dont les programmateurs, dont tous ceux qui font la culture, les acteurs culturels, les fameux acteurs culturels, sont définis et se définissent aussi par différence avec les spectateurs. Et tant qu'on sera dans cette façon de partitionner, hein, de construire ces lignes de partage-là, je pense qu'on... puisque les citoyens, c'est les publics et c'est les acteurs culturels et c'est les artistes. Mais la manière de configurer la notion de citoyenneté aujourd'hui et de citoyen, elle est quand même assez, elle renvoie à des assignations et à des affectations. Comment ? Des affectations. On affecte à. Oui, on affecte et il faut bien le dire aussi, on assigne, oui. Je pense. Alors, je retiens un mot que vous avez utilisé tout à l'heure quand vous parliez des identités. Vous les définissiez comme des identités processuelles, comme des processus, c'est-à-dire, je retiens cette idée fermement, comme un cheminement. L'identité, ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui évolue, voilà, qui bouge au contact de... Et puis qui est pluriel. Qui est pluriel en soi également. Et donc, c'est tout le contraire, donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est tout le contraire d'un conservatoire, une identité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là ? Ah, oui, enfin, si par conservatoire, il y a l'idée de oui, que c'est figé et puis que ça ne bouge pas, et puis surtout qu'il y a une unicité. Si je peux me permettre d'ailleurs une remarque sur pour un autre récit de la diversité, je pense que je pense que ça c'est un enjeu absolument décisif. Et là aussi, pour contextualiser plus généralement, on est dans un moment de démocratisation de l'accès à la parole publique, d'où d'ailleurs ce côté très éruptif des débats sur plein de questions, que ce soit les violences sexistes et sexuelles, que ce soit la question du racisme, etc. Je pense qu'il y a enfin toute une pluralité de paroles qui ont accès, encore une fois, à une forme de légitimité dans l'espace public. Et évidemment que ça pose la question du coup des acteurs de ces histoires, des auteurs de ces histoires, de la façon dont elles ont été écrites, la façon dont on doit pouvoir continuer à les écrire, et de manière, à mon sens, plurielle. Donc peut-être qu'il faudrait d'autres récits de la diversité plus qu'un, parce que je pense que renoncer au mythe de l'un, ça ferait beaucoup de bien. D'accord. Merci Bérénice. Alors, vous avez posé un problème qui peut interpeller peut-être Alexis Moati quand vous évoquiez le fait que le théâtre peut être un réceptacle au fond de ces tensions dont vous parliez. Alexis, quel commentaire vous feriez sur ce sujet ? Non, mais je suis très content d'entendre ça parce que c'est vrai que même si je trouve que c'est formidable et je salue le respect de toutes les paroles, tout ça, mais qu'on parle de diversité sans parler de domination, aujourd'hui, c'est, à mon avis, pas possible. Donc, je pense que lever ça, c'est bien de le mettre aussi en lumière, parce que moi, je ne sais pas forcément quoi penser, mais je vois l'époque qui se détermine autour de moi
et des communautarismes certains qui m'interpellent avec des revendications de droits, pas forcément de devoirs, mais de droits, avec des choses où je me dis ben, il faut peut-être aller dans cet excès-là pour rétablir quelque chose. Effectivement, le théâtre public est dans cet enjeu-là, même si je pense que il y a quand même des excès, il y a des choses, des crispations, parce qu'il y a aussi des histoires de génération, de gens qui sont encore au pouvoir, au poste de pouvoir, qui sont issus d'une tradition, d'une, en tout cas d'une culture, et qui n'est plus forcément celle qui est en train de se raconter. Donc je pense qu'être à l'écoute de ça, c'est vital, parce que sinon, je pense que ça va se crisper et se tendre, et ça, c'est déjà très tendu. Donc ça, je voulais vraiment dire que c'est quelque chose que moi, je sens beaucoup. Et la deuxième chose sur le processus identitaire, d'identité, c'est que j'ai l'impression aussi, je rebondis un peu sur peut-être tout ce qui s'est dit, c'est que peut-être ce qui nous est commun aussi, c'est que au-delà de nos origines différentes, diverses, c'est qu'il y a peut-être quelque chose auquel nous n'avons pas renoncé et qui vient peut-être de l'enfance. Cette chose où, quand on est enfant, on se projette, donc l'identité se construit beaucoup par projection. Je peux être ça, je peux être ça, je peux être aussi ça. Et qu'à l'adolescence, qui est un âge qui, moi, m'interpelle beaucoup, ça se fixe. On sait qu'on aura ce corps-là, on sait qu'on va avoir cette voix-là, que ça ne va plus trop bouger, qu'il va falloir faire avec. Et il y a des gens qui refusent ça et qui se disent « Non, moi, je veux continuer à pouvoir avoir des identités multiples, donc peut-être être des artistes ou des comédiens ou des danseurs, ou des... mais continuer à pouvoir explorer ce processus identitaire et que j'ai l'impression que il faudrait arriver à le garder, et pas que les artistes, quoi, à le garder, voilà, donc. Alors, Alexis, justement, à propos de ce théâtre public, on peut dire aussi qu'il a été interpellé, d'ailleurs Bérénice, vous pourriez le confirmer, du point de vue aussi de sa capacité à représenter la diversité sur les plateaux. Anne Guyen, sur ce sujet. Ce sujet, en fait, j'ai l'impression que nous, dans le monde du hip-hop, on l'a vécu il y a longtemps. Déjà, je voudrais juste quand même reparler de qui je suis. Et moi, là, je suis issue de beaucoup de métissage. J'ai vécu dans des milieux très différents. Et j'estime que ce que je suis, ce n'est pas... c'est lié avant tout à ce que je fais. Et ça, c'est vraiment le monde du hip-hop qui me l'a appris, le monde des battles. C'est-à-dire que je me retrouve devant quelqu'un au moment T, et le regard, je vais devoir me confronter au regard de l'autre. Voilà, être la meilleure version de moi-même à ce moment-là. Après, je vais être devant quelqu'un d'autre, ça va peut-être être autre chose. Je vais voir mes faiblesses, mes forces, ça va m'aider à me remettre en question, à me situer dans ma communauté ou en tant qu'être humain dans la société. Donc, le hip-hop a toujours été une communauté où on ne regarde pas la couleur de peau, on ne regarde pas si c'est une femme ou un homme, on regarde qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu vas faire maintenant. Et puis, on s'en fiche d'où tu viens. Donc, j'ai l'impression que dans le débat, on a un peu régressé, si je peux me permettre. Quand on nous redonne l'identité, alors toi, alors oui, j'aurais besoin d'une femme pour représenter. Comme tu es une femme, ça serait bien que tu postules à tel poste. Ou j'ai pas envie qu'on me prenne parce que je suis issue de l'immigration ou parce que je suis une femme, mais parce que mon travail est bien. Je suis désolée, mais ça, je l'ai vécu depuis des années. Et j'ai toujours imaginé si, par exemple, je sais pas, demain, je suis directrice d'une scène nationale, et puis on dit, derrière moi, oui, mais elle est là parce qu'elle est issue de l'immigration et c'est une femme. Mais je supporterais pas d'entendre ça. Moi, j'ai pas envie de... Voilà, je trouve ça discriminant aussi, en fait. Et je m'excuse, mais donc par rapport à ce qui a été dit sur la représentativité, voilà, des artistes, de la diversité, etc., sur les scènes ou à des postes, de la même manière, par exemple, le hip-hop a toujours revendiqué, voilà, d'avoir plus de place dans les théâtres, d'avoir des experts drag spécialisés en danse hip-hop, etc. Aujourd'hui, ça fait quand même depuis les années 80 que la danse hip-hop est sur les scènes des théâtres. Moi-même, j'ai été associée au théâtre de Chaillot, j'ai des prix, etc. Et les choses sont arrivées.
Voilà. Il y a énormément de gens qui sont issus du hip-hop ou qui se disent issus du hip-hop, qui sont à des postes importants. Il y a même des directeurs de théâtre, de CCN, qui sont plus ou moins affiliés au hip-hop, on va dire. Mais ceci dit, aujourd'hui, je suis désolée, mais dans le public, c'est toujours les mêmes personnes. Donc qu'est-ce que ça change? Je grossis un peu la chose. Hein, parce que moi, je travaille dans les quartiers populaires. Je sais que les gens, il y a des gens qui ne viennent pas, qui ne viendront jamais au théâtre, ou alors vraiment parce que il y a un travail de terrain sur le très très dans les quartiers populaires. Comment ? Y compris dans les quartiers populaires. Oui, oui, là je parle notamment des quartiers populaires ou bien des danseurs. Et c'est pas en mettant des danseurs hip-hop sur scène que ça va faire venir des danseurs hip-hop dans la salle ou des gens des quartiers populaires. Et ça, il y a un vrai problème qui se pose, c'est-à-dire qu'en fait, on essaie d'améliorer le système. En disant oui, il y a un problème, il n'y a pas de diversité dans la représentation, il faut que les gens se sentent représentés sur scène, etc. Mais si dans le public, c'est pas un vrai public, c'est pas un public divers, ça sert à rien que sur scène, ça soit des gens divers. Parce que, en fait, ça va juste faire quelque chose de folklorique. Je m'excuse, hein, mais je parle vraiment de choses que j'ai vécues et de commentaires que j'ai pu entendre à la sortie des salles, comme quoi mes danseurs étaient beaux, des choses comme ça. Bon, voilà. Donc, le problème, ce n'est pas seulement un système qu'on doit conserver et des pions qu'on doit changer, remplacer des hommes par des femmes ou remplacer des blancs par des noirs ou je ne sais pas quoi, pour que les choses aillent mieux. Le problème, il y a un vrai problème dans le système qui fait que l'accès à la culture, la manière dont les choses sont valorisées, en effet, doivent être repensées. Pour qu'il y ait moins de discrimination géographique, sociale, et arrêtons de parler que d'identité, parlons d'autres choses, parlons de quartier, parlons de classe sociale, de moyens, etc. Personnellement, je préfère aborder les choses de cette manière-là. Bérénice, vous voulez réagir? Si il y a quelqu'un qui veut réagir de manière... je pense que c'est des questions très, très complexes. Et en plus, je pense que elle se joue à plein de niveaux. J'aurais juste envie de commencer par réaction que je comprends très bien, qui consiste à dire, puisque je peux avoir la même, j'ai pas envie d'être prise parce que je suis une femme. Il n'en reste pas moins que là aussi, c'est un privilège que nous n'avons pas. C'est-à-dire qu'en fait, assez souvent, les hommes vont être pris simplement parce qu'ils sont des hommes. Et eux ne se diront jamais ça, en fait, tout simplement. Et je pense que tant qu'on ne sera pas dans une société dans laquelle cette question-là n'a pas d'impact, il faudra faire des choses pour compenser. Enfin, c'est tout le problème de la lutte contre les discriminations, c'est qu'encore une fois, ça oblige à pointer, à voir ce que personne n'a envie de voir. Et après, il y a plein de débats sur les façons de faire, comme il y a eu, par exemple, sur toute la politique d'affirmative action, qu'on a d'ailleurs traduit, ce qui était déjà un parti pris énorme, par discrimination positive, ce qui était une manière d'invalider le principe. En anglais, ça se dit affirmative action, c'est-à-dire comment on fait dans un monde dans lequel il existe des discriminations qui font qu'il y a un différentiel d'accès pour certaines catégories de population, comment on compense. Donc après, il y a des tas de discussions en fait assez techniques, même sur et puis en termes de plus et moins, enfin qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça en termes justement de rajout éventuellement de préjudice parce que du coup les gens vont être réassignés. Le problème c'est comment on fait, parce qu'à un moment on peut pas nier la réalité qui existe d'un point de vue statistique. Après sur les questions, je réponds sur plusieurs points, mais sur la question de la représentativité, je pense qu'elle se joue à plusieurs niveaux. D'abord, il y a une question d'utilisation de l'argent public. C'est-à-dire qu'encore une fois, à partir du moment où, par exemple, je reprends que l'exemple homme-femme, mais en fait, on peut le multiplier sur d'autres assignations identitaires, à partir du moment où il y a de l'argent public, il ne peut pas aller, dans l'immense majorité des cas, là, je parle pour toute la culture subventionnée, à des projets dont les auteurs, les metteurs en scène, etc., sont masculins. Parce qu'il y a un problème dans ces cas-là d'une utilisation qui discrimine avec de l'argent public. Donc ça, c'est interdit, en fait. Donc, tout le monde discrimine. On discrimine sur la qualité, sur le projet de quelqu'un.
Et de là, la première phrase que... Ben ça, c'est toutes choses égales par ailleurs, en fait. Ça, c'est d'autres critères qui, d'ailleurs, eux-mêmes sont interrogés. Non, mais je veux dire, les premières choses qu'on regarde dans une personne, quand on n'est pas raciste ou quand on n'est pas misogyne, c'est pas si c'est un homme ou une femme, c'est qu'est-ce que cette personne elle a à dire avant tout. Donc je comprends qu'il y ait des statistiques, etc. Et je suis pas contre un regard sur ça, évidemment, j'ai pas dit ça, mais de tout de suite se dire parce que ça va être une femme, les choses vont changer. Qu'est-ce que cette femme a à dire? Ah non, mais bien sûr, c'est pas le seul critère qui doit rentrer en ligne de compte. Mais là, le problème, c'est que c'est sur des exemples individuels. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y aura toujours des contre-exemples, des politiques publiques, de toute façon, elles sont habituées à raisonner sur la base de statistiques. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on nous fait parler de choses qui sont superficielles et on ne parle pas du vrai problème. En fait, je voudrais qu'on s'arrête pas à est-ce qu'il faut 50% de femmes, 50% d'hommes, mais pourquoi il y a une différence d'accès de différentes populations à la culture aujourd'hui et même à différents métiers, etc. Pourquoi ? Est-ce que la question, c'est juste les postes importants qui doivent être remplacés ? Est-ce que ça va changer quelque chose ? Ou est-ce qu'il y a des choses plus profondes, sociétales, dans le système, qui peuvent être changées ? En fait, c'est pour moi, là, la vraie question. La question de l'identité, c'est un voile. Enfin, pour le coup, elle est pensée d'ailleurs en termes de politique publique actuellement à plein d'échelles en même temps. En tout cas, là, je parle des secteurs culturels, à l'échelle de la formation, à l'échelle de l'accès aux subventions, par exemple, pour essayer d'égaliser, par exemple, les montants qui sont donnés aux hommes, les montants qui sont donnés aux femmes. La question, effectivement, du haut de l'échelle et de qui est à la tête, par exemple, des directions d'établissement. Mais ça, c'est un point qui est essentiel parce que les processus d'identification, effectivement, qui commencent dès l'enfance, ils sont absolument décisifs pour avoir des modèles auxquels les gens puissent s'identifier et se dire que ça peut être pour eux aussi. Et là, on parle entre soi, on parle entre personnes intellectuelles qui utilisent des mots très raffinés que tout le monde ne peut pas comprendre. Et la question d'identification, d'accord, mais est-ce que quelqu'un issu des classes populaires va se poser ces questions-là? Je ne pense pas. Ben, moi, j'ai énormément d'étudiants qui sont issus des classes populaires. On a énormément d'étudiants qui sont boursiers. Comment? Je parle de jeunes qui ne vont peut-être jamais être étudiants, par exemple. Qui n'ont jamais entendu ce débat. J'ai envie d'intervenir dans ce dialogue qui est en même temps passionnant, puis de demander à Salah Mokran son avis, parce que on parle de la question de la diversification des publics. Ou est-ce que la question, c'est plutôt comment diversifier la participation des habitants à la vie culturelle? Et si on en est là, si on en est toujours là aujourd'hui, d'une certaine façon, encore que il ne faut pas masquer un certain nombre de progrès qui ont été aussi réalisés par petits pas et grâce notamment au travail, à la reconnaissance accrue de la notion de médiation dans les métiers culturels. Mais on voit là qu'il y a un travail de longue durée quand même et que ce travail, il est peut-être encore largement devant nous. Et puis il y a des catégories aussi à discuter, à bousculer. Ça là, d'après votre expérience à Tactique Collective, comment vous voyez ces questions? Moi, je pense quand même qu'il y a d'énormes retards à rattraper, quoi. C'est-à-dire que ça reste quand même un sujet de système. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas à titre individuel de se dire comment je te vois, comment tu me vois. Il y a une réalité qui est que, pour moi, il me semble que c'est plutôt l'inverse de ce que vous dites, quoi. Le système, il nous impose de ne pas avoir accès parce que on est une femme, parce qu'on est un noir, parce que on est un handicapé, parce que je pense que pour moi c'est, et ceci, là où je peux être d'accord avec vous, c'est pas et c'est là après où on a quelque chose d'assez profond dans le travail. Tout à l'heure on parlait de formation, de ce qui s'est passé ici par exemple. Effectivement de faire ce travail de conscientisation, de formation pour que on puisse avoir ou des responsables ou des gens qui prennent des initiatives et qui soient conscients de la nécessité de changer le monde. Alors il ne s'agit pas de effectivement de juste dire
De juste dire parce que c'est telle ou telle personne que ça va changer. C'est évidemment. Voilà, on parlait tout à l'heure de la diversité, mais en fait, on en revient à la question de la diversité. Moi, je pense qu'il faut. Qu'effectivement, la question, c'est de ne pas penser que parce qu'on règle la question de la diversité, avec tous les. Tout ce qui a été dit, on règle la question des discriminations ou de la domination. C'est-à-dire, bon, c'est un peu vintage ce que je vais dire, mais l'affiche Benetton, là, United Colors of Benetton, c'est sympa. Moi, j'ai envie de voir l'organigramme, quoi. Je veux voir dans quel ordre c'est. Donc, je crois quand même que. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui s'est passé. Évidemment, on est dans des situations paradoxales. Si je compare par rapport à la situation de mes parents, c'est ça qui est un peu difficile aujourd'hui, c'est que si on parle de la question du racisme, par exemple, le racisme qu'ont subi la génération de mes parents, le niveau de violence, il est différent. Mais ça ne veut pas dire qu'il était moindre ou qu'il était plus qu'aujourd'hui. Il est différent. Ce qui se passait, c'est qu'en 1973, à Marseille, il y avait des meurtres racistes qui étaient des meurtres politiques. Il y avait des. En région, ce qui a déclenché la marche pour l'égalité contre le racisme, c'est des tirs sur des jeunes du quartier par d'autres habitants. Aujourd'hui, on va être sur des questions qui sont souvent liées, pour le dire vite, au maintien de l'ordre et aux violences policières. Donc on n'est pas sur les mêmes formes de violence, mais on a donc vraiment des évolutions paradoxales. Et évidemment, la promesse que se sont fait. Si on parle des gens qui ont quitté leur pays, qui se sont exilés, je parle pour moi, par exemple, la promesse que se sont fait mes parents en quittant leur pays, leur famille, il ne faut quand même jamais oublier de dire ça. Quoi. On ne s'arrache pas comme ça. Bon, des fois, on part parce qu'on a envie de partir, mais on ne s'arrache pas comme ça à sa terre, à sa famille, à ses amis. Voilà, quoi, la fleur au fusil, super content et tout. Non, on le fait par nécessité. Et. Donc la promesse qu'ils se sont fait, elle est en partie réalisée, bien sûr, mais en partie, quoi. Alors elle peut l'être à titre individuel. La seule chose, voilà, juste je voudrais dire une chose que moi j'ai trouvé vraiment intéressant là, dans ce que vous racontiez, je pense que c'est vraiment très important, c'est, en dehors de la dimension du combat politique, bon, moi je suis plutôt dans une origine plus militante, donc je ne suis pas un artiste. On a vraiment besoin, et je trouve que c'est super important, de lever les scepticismes, de faire des démonstrations. Et c'est pour ça que c'est intéressant ce que vous avez raconté sur cette expérience-là, parce qu'il y a cette question de la capacité, effectivement, qui est importante de dire, et on passe, moi j'ai l'impression qu'on passe notre temps à dire ça. Vous êtes capable, on est capable, on a le droit, on est légitime. Et juste... Parce que ça m'a évoqué ça quand même, c'est sur la question de l'adolescence. Je voulais juste deux mots, parce que voilà, on est dans une période où on parle beaucoup là, des violences entre adolescents. Moi, je l'ai vécu, jeune, adolescent. Il y a la question de la présence des adultes quand on est adolescent, quand on est jeune dans un quartier, qui est déterminante. Et la présence des adultes, ce n'est pas seulement nos parents. C'est voilà, la présence des adultes, de tous ceux qui peuvent être là avec les jeunes. Et si aujourd'hui, je trouve qu'on a tendance à leur charger la barque aux jeunes et à trop les abandonner, à trop les laisser entre eux. Quoi. Alexis Moati, par rapport à ce que disait Salah Amokrane, et puis j'allais vous dire, je vous demandais en quelques mots seulement, est-ce que vous avez le sentiment que... ces dernières années, le théâtre public que vous représentez sur ce plateau, est-ce qu'il bouge au regard des problématiques que l'on soulève et dans quel sens ? Ça bouge, oui, ça bouge, mais ça bouge lentement, j'ai l'impression. Par rapport à ce que vous disiez, j'ai l'impression que
il faut peut-être pas confondre la question de la diversité avec la lutte contre les inégalités sociales. Et que c'est deux histoires qui sont effectivement différentes, et je pense que les arts, l'art ne peut pas résoudre à lui tout seul des problèmes sociétaux plus larges. Il en est le reflet, souvent il en est le miroir, ou le reflet en tout cas, mais je ne pense pas qu'on puisse amener... on peut faire des expériences. Je pense que le problème aussi du ministère de la Culture, c'est de beaucoup modéliser de choses. Alors maintenant, ça s'ouvre à des expérimentations, et ça, c'est tant mieux, parce que je pense que l'heure est aussi à essayer d'expérimenter des choses. Mais après, moi, ce qui m'intéresse dans ce débat-là, c'est que ce que vous dites, on est obligé de sortir de la logique de production de spectacle, consommation de spectacle. Si on reste dans cette logique-là, on n'en sortira pas. Donc là, effectivement, peut-être qu'il y a une réflexion à essayer de changer un peu comment on pense nos projets, nos productions, avec qui on travaille. Et je voulais juste citer une petite anecdote que j'ai été très surprise. Souvent, les discours politiques nous demandent beaucoup de chiffres, de combien de jeunes gens on touche. Il m'a toujours semblé que c'était plus important de toucher quelqu'un plus profondément et que ça pouvait se diffuser par son entourage, sa famille, etc. Et c'est vrai, notamment sur la question du public. Par exemple, sur le groupe des 15, le public qui venait n'était pas un public de théâtre. C'était des gens, il y avait les familles évidemment qui venaient voir leurs enfants, mais pas que. Il y avait des gens qui venaient au théâtre aussi. Puis il y avait aussi un autre type de spectateurs qui suivaient cette aventure parce qu'il y avait l'idée aussi d'une petite utopie comme ça, qui faisait que c'était pas Benetton, hein, justement, parce que ça aussi, c'est quelque chose, à mon avis, il faut faire très attention à ça. Et justement, là, je rejoins la question de pas confondre la diversité qui peut résoudre les inégalités sociales. On voit que dans l'entreprise et dans le foot, par exemple, ou dans le sport, où il y a une diversité, justement, c'est affirmé. Mais par contre, les inégalités de postes de pouvoir sont aussi prégnantes. Enfin, je veux dire, voilà, il ne suffit pas d'afficher, comme sur nos scènes, il ne suffit pas, je suis tout à fait d'accord, d'afficher une distribution multicolore pour se dire que bah, voilà, on a rempli les quotas. Ça ne suffit absolument pas, c'est sûr. C'est des postes de décision, ça j'en suis persuadé. C'est les postes de création aussi, d'auteur, de metteur en scène, de chorégraphe. C'est aussi ça qui fait qu'à un moment, on redistribue. Je pense et je me dis que on se doit de redistribuer ce qu'on a reçu. Moi, ce que j'essaie de faire, et c'est que peut-être, j'espère, la génération de Mama avoir pas reçu, mais en tout cas avoir échangé avec d'autres, peut être plus sensible à ça pour le redistribuer à son tour. J'ai l'impression que cette chaîne-là, il ne faut pas l'interrompre. Eh bien, justement, on va donner à Mama Bourras le mot de la fin, en lui demandant peut-être de témoigner pour ses certains de ses camarades de jeu, puisque vous êtes maintenant inscrite dans une carrière de comédienne. D'autres, tout à l'heure Alexis le disait, sont engagés dans des professions culturelles, et puis certains peut-être dans de toutes autres aventures. Et qu'est-ce que vous diriez de ce qu'ils ont pu retirer finalement de cette expérience-là, au-delà du fait d'avoir participé à une création artistique ou à un cheminement artistique ? J'aimerais juste d'abord rebondir sur le mot qui a été utilisé, le mot voile, en fait, que je ressens beaucoup dans ma génération, c'est-à-dire que pour régler les problèmes, pour régler toutes sortes de problèmes, de débats, pour les clôturer, on met souvent des voiles, et c'est un mot que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps aussi dans un autre débat, et je pense qu'il est là le souci, c'est qu'on ne prend pas les choses par la racine, et c'est ça qui fait qu'on n'arrêtera jamais d'avoir des débats et qu'on se retrouvera encore à discuter des mêmes choses dans 5 ans, 6 ans malheureusement. Donc le mot voile est hyper important, et je pense qu'il faut faire attention à le pourquoi du comment il est encore là et qu'on n'arrive toujours pas à le soulever. Et pour mes camarades, pour ceux pour qui j'ai des nouvelles, je sais qu'ils sont tous très heureux, ils ne sont pas tous comédiens, mais il y en a qui sont infirmiers, il y en a qui sont encore étudiants, Eddy qui travaille au ZEF...
Je pense qu'ils sont comme moi, on ne ressent pas les mêmes choses, mais on a des sentiments communs. Ce qui nous lie, c'est qu'on a partagé, parce que même si je suis rentrée à l'ERAC, je suis partie au bout de 2 ans du groupe des 15, mais j'ai quand même réussi à me faufiler dans certains projets et revenir pour jouer avec mes camarades. Du coup, j'étais partie, j'ai eu une nouvelle famille à l'ERAC et puis je suis revenue dans le groupe des 15 pour jouer avec eux. Et je pense que ce groupe des 15 a été assez fort pour me prouver que même si je pars, si je reviens, je suis toujours à ma place dans cette famille. C'est ça que je retiens avec mes camarades, c'est que c'est une famille, c'est que on ne forme pas des comédiens, mais on fait grandir des êtres humains, on leur donne de l'expérience, des questions, pas de réponses, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des réponses. C'est une pression en plus pour nous, surtout de ma génération, on nous demande toujours d'avoir des réponses, mais il faut juste souligner qu'on n'est pas obligé d'avoir des réponses, que juste le but, c'est de se questionner, juste de réfléchir et de ne pas avancer tête la première, parce que on voit rien, mais juste voilà, ce qui est important, c'est que je sais que mes camarades et moi, même si on a pris des chemins différents, on se pose encore des questions, et je pense que c'est le but, moi j'aimerais encore me poser des questions à 80 ans, 90, c'est mon but, quoi. Voilà. Et même, vous savez, jusqu'à 100 ans, parce qu'on fête bientôt le 100e anniversaire d'Edgar Morin, et il continue et de nous poser des questions. On arrive au terme de cet échange. Alors, je vois qu'il y a un internaute ou une internaute qui nous pose une question qui mériterait alors tout un débat, mais c'est à la fois une question et une proposition. Je la lis pour tout le monde. Les droits culturels inscrits dans la loi NOTRe ne constituent-ils pas une approche qui transcende les problématiques d'accès, de citoyenneté, de public, de diversité? Alors c'est peut-être une question, c'est peut-être aussi après tout une affirmation, et je la laisse à la réflexion de tous. Je vous propose, parce que le temps est compté, on a pris un tout petit peu de retard au début, je vous propose d'accueillir maintenant Jean-Marc Coppola et Marilyn Crivello pour peut-être mettre encore en perspective notre débat par rapport aux responsabilités qu'ils portent dans la ville et l'université. Je vous remercie beaucoup et merci à vous tous. On va avoir un petit changement de plateau. Voilà, nous arrivons au terme de cette journée et des tables rondes de l'après-midi et des ateliers du matin en compagnie de Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture de la ville de Marseille, et de Marilyn Crivello, vice-présidente du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille, que je remercie vivement de leur présence. Je sais qu'ils ont été attentifs à ces débats. Ce matin, vous étiez, je crois, présent déjà, Jean-Marc Coppola, dans le cadre des ateliers. Marilyn nous a rejoint également très vite. Donc, vous avez pu entendre ce qui s'est dit au cours de cette riche journée. Alors, Marilyn, j'ai envie de me tourner vers vous, parce que dans le cadre de vos fonctions, vous avez aussi une responsabilité vis-à-vis d'une partie particulière de la jeunesse, les étudiants qui traversent une période très compliquée en ce moment, très difficile. Et du coup, j'ai envie de vous demander, au-delà bien sûr de peut-être des commentaires que vous auriez envie de faire sur ce que vous avez entendu, et comment l'université appréhende une période aussi compliquée, aussi difficile que celle que nous vivons, et qui éloigne les étudiants non seulement des amphithéâtres, des conférences de méthode, etc., mais aussi encore plus des lieux de culture. Alors, comment vous avez appréhendé cette situation ?
Oui, ce que je voulais dire, c'est que j'appartiens à une équipe politique qui est entrée en fonction en fait en janvier 2020. Et donc en mars 2020, on était déjà tous confinés. Donc 2 mois de prise en charge de la politique de cette université pour se retrouver d'emblée 2 mois plus tard, alors qu'on avait évidemment toutes sortes de projets, d'initiatives. On a été obligé d'être confronté, comme tout le monde, à cette situation. Et bon, vous avez raison, il a fallu prendre en charge tout d'abord les étudiants. Donc ce n'était pas l'objet en fait, sur lequel je pensais intervenir, mais effectivement il est fondamental. On a 80 000 étudiants à l'Université d'Aix-Marseille. On est sur un territoire très large, Marseille évidemment, avec les sciences, la médecine, mais aussi Aix, avec le droit, les sciences humaines et sociales, etc. Et donc, ces 80 000 étudiants se sont retrouvés chez eux. Et il a fallu inventer, en fait, de nouvelles formes. Et les enseignants, en fait, ont été assez extraordinaires. Je pourrais citer, par rapport aux questions culturelles, des initiatives qu'on a essayé de faire valoir, de porter, notamment dans un festival des sciences sociales et des arts, où on a essayé de montrer ce que les enseignants avaient fait. En ce qui concerne le théâtre, par exemple, des pièces ont été réalisées, des pièces théâtrales, à distance, donc avec des systèmes de visioconférence. Les étudiants étaient chacun chez eux, mais ont réussi malgré tout à construire de véritables pièces de théâtre, à continuer à enseigner. C'est une expérience qui les a marqués, qui n'était pas si négative, même si elle était virtuelle. Idem pour la danse, on a eu des équipes de danse qui ont réalisé des exploits avec des téléphones portables, avec une réflexion sur le corps confiné, avec des démonstrations de danse dans leur salle de bain, dans leur chambre de CTU. Donc il y a eu une sorte de volonté, en tout cas dans la première phase, je pense que dans le deuxième confinement était plus pénible, une volonté de montrer que la vie continuait, qu'on pouvait toujours avancer. Bon, cela dit, à travers ces deux exemples qui essaient de faire la démonstration qu'il y a des choses positives, on a été aussi confrontés à des situations sociales absolument terrifiantes, hein, liées au retour d'étudiants qui étaient coincés à l'étranger, à l'alimentation en particulier. Il a fallu mettre en place toutes sortes de colis pour aider les étudiants, parfois leur apporter des financements. Et là, tout récemment, on vient d'inaugurer d'ailleurs des petits magasins alimentaires qui ont été mis en place par des étudiants et qui montrent aussi, enfin, je pense que ce qu'on peut retenir de positif, c'est les liens de solidarité qui se sont tissés malgré tout dans cette situation. Bon, je ne vais pas aller peut-être plus loin, mais enfin, voilà, il y a un peu des deux. Et donc, là, c'est une situation difficile. Et donc, vous avez mis un certain nombre aussi de moyens de l'université pour développer ces projets. Tout à fait. Oui, il y a eu énormément de financement dans plein de domaines, hein, pour acheter des ordinateurs, pour financer le retour des étudiants, pour la banque alimentaire. Et tout ça, c'est fait avec des partenaires. Hein, donc, la ville de Marseille, puisque Jean-Marc Coppola est là, a été extrêmement actif, hein, dans cette aide à la précarité étudiante. Et puis aussi la région, etc. Donc il y a eu toute forme de coopération avec les acteurs publics pour aider par le biais de financement, d'actions, etc. Et au-delà du contexte actuel, est-ce que vous diriez que l'université est prête ou déjà dans l'élaboration de véritables politiques culturelles universitaires, entre guillemets? Est-ce que vous diriez que l'université, elle développe maintenant ce que l'on pourrait appeler un programme, une oui, politique culturelle véritable, enfin au sens que l'on donne à cette notion? Oui, si vous permettez, en fait, je me présente très vite parce que vice-présidente du conseil d'administration, c'est pas très palpitant, surtout après tout ce qu'on a entendu. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que moi-même, je suis historienne en fait de formation. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de mémoire, d'usage public de l'histoire. J'ai beaucoup travaillé sur la Méditerranée aussi, avec Actes Sud en particulier. Donc tous les thèmes qui ont été abordés cet après-midi m'intéressent particulièrement, donc à titre personnel. Et cette fonction politique, parce qu'une fonction politique, c'est toujours assez
essentiel, hein, parce que c'est peut-être le lieu par lequel on peut faire changer les choses. Cette fonction politique est associée en fait à une mission de décloisonnement des disciplines sur notre site. On a un grand site, mais évidemment, les disciplines entre elles ne se parlent pas forcément, ne se connaissent pas. Les formations sont très clivées à l'échelle nationale, donc on a vraiment un travail à fournir à l'échelle de notre université pour démontrer que des questions de société aujourd'hui, que ce soit la transition environnementale ou les questions culturelles ou le vieillissement ou même la crise sanitaire, ne vont pas se résoudre avec une seule discipline. Il faut évidemment une multiplicité d'expertises pour avancer ensemble. Donc il y a cette première mission-là, dont je ne vais pas détailler, et une deuxième mission qui est celle de la politique culturelle de l'université. Donc là, vous avez entièrement raison, nous avons mis en place une direction culture et société. Nous travaillons avec plusieurs dispositifs pour avancer en termes de recherche, de formation et de partenariat avec beaucoup d'acteurs sur le territoire. On a des conventions avec le FRAC, avec le Théâtre de la Criée, avec les musées de Marseille, avec le MUCEM, etc., pour avancer ensemble et voilà, permettre un véritable tissage d'activités, de dispositifs, sachant que nos étudiants sont à la fois des producteurs de culture, d'initiatives, etc., et puis sont aussi potentiellement cette jeunesse de demain qui s'intéresse à toutes ces activités culturelles, à toutes ces actions culturelles, avec toute la diversité, là aussi, d'étudiants que l'on peut avoir, à la fois disciplinaire, d'origine. On est sur les bords de la Méditerranée, on travaille beaucoup avec des universités africaines. Donc évidemment, pour nous, c'est essentiel d'un point de vue politique que d'affirmer ces choses-là. Et alors, une dernière question peut-être. Est-ce que vous diriez que la question de la diversité est une question qui interpelle d'une certaine façon l'université? Vous rappeliez que vous étiez historienne et spécialiste de la Méditerranée. Voilà, c'est aussi un sujet, cette question de la diversité. Comment l'université s'empare de ce thème, et notamment sur le territoire d'Aix-Marseille? De plusieurs façons. Peut-être que je vais donner quelques exemples pour mieux éclairer. Donc, premièrement, cette diversité disciplinaire et cette diversité de coopération avec les acteurs. Je pense que tout à l'heure, dans un des débats, on parlait de cette présence du savoir académique, entre guillemets, dans l'espace public. C'est devenu essentiel qu'une université et ses chercheurs et ses recherches, avec les mots, avec les questionnements, puissent prendre place dans l'espace public. Et on a mis en place un festival qui s'appelle le Festival du jeu de loi. Enfin, il y a toute une démarche derrière pour essayer de montrer que chacun est joueur d'un grand jeu de société, et que chacun a sa place dans ce jeu de société, dans ce jeu de questionnement. Et à travers ce festival, donc, on essaie de vraiment partager en fait des questions, des débats dans l'espace public. Donc c'est une manière de faire. Et puis il y a des recherches qui sont portées, hein, spécifiquement sur la diversité territoriale. Donc par exemple des recherches actions qui ont été extrêmement efficaces sur les diversités musicales et qui ont donné lieu à Aix à la mise en place d'une salle qui s'appelle le Sismic, qui est une salle véritablement qui porte cette diversité musicale. Et puis, il y a des travaux de recherche aussi sur la diversité du genre dans les arts. Sans compter tous les ateliers qui sont en place et qui portent la culture sous toutes ses formes au sein des formations. Merci beaucoup, Marilyn Crivello. Je me tourne maintenant, vers Jean-Marc Coppola. Alors, j'ai envie de vous poser trois questions, Jean-Marc. La première, quel fil vous avez envie de tirer d'une journée aussi dense que celle d'aujourd'hui, dans les quelques minutes dont vous disposez? La seconde, c'est mais comment la culture pourrait-elle quand même nous aider un peu à sortir par le haut, si c'est possible, de la crise sanitaire? Et alors, la troisième, c'est comment aider la culture pour qu'elle mène cette mission-là? D'abord, sur cette journée, je voudrais remercier d'abord ce moment de partage très riche. Ce moment, d'abord, parce qu'on a le privilège d'être dans un théâtre,
d'être dans un moment aussi où on prend le temps de la réflexion, de l'échange, voire même de la confrontation. Il y a eu un débat intéressant tout à l'heure, dans la deuxième table ronde. Et effectivement, c'est très riche d'expériences diverses qui montrent en même temps que chaque individu, chaque personne, chacun avec ses responsabilités, avec son rôle, peut apporter beaucoup au collectif et au commun. Et voilà, difficile de... Bon, j'ai pris beaucoup de notes très intéressantes. J'ai pu confronter à ce que, d'abord, j'ai vu depuis 7 mois et demi de pérégrination à travers cette ville que je connais modestement, mais où là, je suis rentré un petit peu plus en profondeur, j'allais dire, non pas dans les lieux, mais dans la connaissance des unes et des autres. C'est toujours intéressant, mais je suis toujours assez curieux de connaître le parcours des uns des autres. Non pas pour modéliser en disant bon, comment on arrive à telle responsabilité, directrice de théâtre, chorégraphe, auteur, metteur ou metteuse en scène, etc. Mais de voir un peu le déclic. Ce que j'entendais tout à l'heure de la comédienne Mama, c'est assez intéressant, les déclics qui sont faits, parce que c'est ce qui fait que ça va nous aider, en tout cas, à mener une politique culturelle qui n'est pas simplement la gestion des lieux culturels institutionnels, publics, municipaux, qui n'est pas simplement l'accompagnement, c'est déjà beaucoup, mais l'accompagnement en même temps des associations culturelles et artistiques, mais qui est plus un travail en profondeur dans une ville qui est très riche de potentiel, et le premier potentiel, c'est le potentiel humain, qui est très riche parce que ça m'a toujours stupéfait, moi, qu'on parle de 26 siècles d'histoire, de patrimoine historique et culturel à Marseille, et que en même temps, on balaye d'un revers de main sans voir que cette richesse justement de ces 26 siècles d'apport, de métissage, de mixité, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné aussi, parce qu'il n'y a pas reconnaissance, je dis souvent, Marseille ne reconnaît pas ses enfants. Quand je dis ne reconnaît pas ses enfants, c'est nous avons des gens de talent dans tous les domaines, pas seulement culturels, artistiques, mais dans le sport de haut niveau, dans l'économie, etc. Ils sont plus reconnus d'abord à l'extérieur, en France, à l'étranger, etc., avant même d'être reconnus ici. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, comme pour une personne, comme pour un individu, comme pour un enfant, ce qui manque, c'est cette confiance, ce qui manque, c'est cette estime de soi qui montre que, bon, on est, j'allais dire, capable, tous capables, ici, et qu'il faut avoir cette fierté, non pas pour dominer, parce que je pense que, de tous les débats, moi, je retire que je suis renforcé encore plus dans l'idée que il faut vraiment lutter contre toutes les dominations. Cette question de l'égalité, cette question du droit à l'égalité. J'ai toujours réfuté ce terme d'égalité de chance. Moi, je parle d'égalité de droit, de façon à ce qu'effectivement, on puisse avoir le droit d'être soi-même et puis de s'épanouir dans cette société pour, en même temps, épanouir la société, épanouir les autres. Donc ça me renforce en tout cas dans les premières réflexions que nous avons, puisque nous n'avons pas encore défini et rendu public une politique culturelle à Marseille. Cela dit, on a quelques pistes, en tout cas, trois essentielles. Je ne sais pas si j'ai le temps encore de développer, mais ce sera assez court. La première piste, le premier pilier, c'est... Et ça sera important, y compris par rapport aux autres questions que vous posiez sur la sortie de la crise sanitaire. Bon, si tant est qu'on puisse dater de cette sortie. Moi, je suis plus dans l'idée, bon, comment on essaye de vivre avec cette crise sanitaire en se protégeant, en protégeant les autres, et puis en retrouvant des espaces de liberté, justement, pour s'épanouir. Et le premier pilier, c'est l'éducation artistique. Je dis volontairement éducation artistique parce que je trouve que l'EAC, l'éducation artistique et culturelle, le 100% EAC, est devenu trop institutionnel. L'éducation artistique que nous voulons développer, il n'a aucune arrière-pensée électoraliste, vous avez vite le comprendre, puisque nous voulons développer l'éducation artistique
chez les enfants dont nous avons la responsabilité de 0 à 11 ans. Pas simplement parce que c'est notre compétence au niveau de la ville, les crèches, les écoles primaires, mais parce que c'est la période au cours de laquelle on construit sa personnalité. On construit sa personnalité d'abord de la naissance à l'âge de 3 ans, dans les 1000 premiers jours, dit Boris Cyrulnik. Et donc c'est très important. Après, je suis sensible à ce que disait Alexis tout à l'heure sur, attention, il y a d'autres périodes, j'allais dire, de la vie, l'adolescence, quand on est jeune, etc. Mais permettre à des enfants cette rencontre avec l'art, les arts, les œuvres, les artistes, c'est un plus, mais qui permettent d'ouvrir aux sensibilités, de développer tous les sens. Ce n'est pas simplement avoir de la musique, de la danse, du chant à l'école. Bien sûr, on peut le faire, il faut le faire, mais c'est déjà ouvrir tous les sens au monde et à l'environnement qu'ont ces enfants. Parce que c'est ce qui permettra justement de les rendre solides pour être libres plus tard et justement de devenir citoyennes et citoyens responsables. Merci beaucoup Jean-Marc pour ces mots. J'entendais l'insistance que vous mettiez sur la notion de confiance qui a été aussi oui. beaucoup évoquée. Et je crois aussi que, comme vous, que construire finalement de la relation, ben pour construire de la relation, il faut y mettre beaucoup d'égalité, plus d'égalité. Alexis disait que les politiques culturelles ne pouvaient pas résoudre aussi un certain nombre de problèmes sociaux que nous n'avons pas résolus, et d'autant plus que nous le savons, en quatre décennies, les inégalités sociales se sont plutôt creusées et approfondies dans notre pays à l'échelle du monde. Donc, mais construire la confiance, en effet, c'est très important, cette idée-là. Donc je retiens aussi cet enjeu que vous mettez en avant, de mettre le paquet en quelque sorte sur l'éducation artistique. Alors certes pour le niveau scolaire pour lequel vous avez une compétence, mais il faudra aussi qu'il y ait un travail de lien, de relation avec les autres collectivités, le département, la région, l'université, pour que ce travail se poursuive, j'allais dire, même au-delà de la jeunesse, tout au long de la vie, pourquoi pas. Oui, mettre l'accent sur l'éducation artistique pour les enfants de 0 à 11 ans, ça ne veut pas dire se désintéresser des autres générations, bien entendu. Mais je pense que c'est vraiment les fondations et permettre cela aux 85 000 enfants dont nous avons la responsabilité, 85 000 enfants sur 860 000 habitants, c'est pas rien. Parce que quand j'ai parlé d'éducation artistique au début de la prise de responsabilité, on m'a sorti effectivement des brochures qui existaient, administratives, et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche en disant cela, des expérimentations, mais je ne veux pas que ça reste homéopathique et expérimental. Il faut que ça se fasse à grande échelle. Quand on a des écoles qui existent, publiques, qui existent, où ces enfants ont cette chance, justement, j'en connais pas beaucoup, une école bilingue français-provençale, publique qu'il y a dans un village varois, etc., mais il faut le faire ici, partout, parce qu'on parle d'inégalité. Mais on a une chance, c'est que les écoles, elles sont dans tous les quartiers. Il manque des lieux culturels dans certains quartiers, dans certains arrondissements. Les écoles, elles sont partout. Et je ne veux pas faire de l'école le point de passage obligé, justement, mais c'est quand même assez important. Alors effectivement, ensuite, l'idée de travailler sur toutes les générations, et nous travaillons effectivement intelligemment avec l'université, dans des tas de domaines, c'est évident. Mais je pense que ce que nous avons fait, ce travail de rassemblement, pour que dans cette ville de tous les possibles, justement, il était possible d'avoir un changement, eh bien, nous voulons le faire à grande échelle, dans le sens que nous avons pris l'habitude maintenant de travailler collectivement, collégialement, en transversalité. Cette transversalité, il nous la faut avec les Marseillais et les Marseillais. Il nous la faut avec les différentes institutions, les différentes collectivités et l'État, ce qui ne s'est pas encore véritablement produit. Nous voulons le faire justement parce que c'est la mise en commun des intelligences. C'est la mise en commun, j'allais dire, des moyens aussi pour
arriver à changer les choses dans cette ville, je le répète, ville de tous les possibles, c'est-à-dire du mieux, mais aussi du pire, sinon on ne fait rien. Mais s'il y a eu des discriminations, s'il y a eu des ségrégations, s'il y a eu des inégalités, c'est bien parce qu'à un moment donné, il y a eu un choix aussi de faire ou de laisser faire. Et aujourd'hui, il n'y a pas de fatalité, justement, y compris à ce qu'on puisse, et on, d'ailleurs, on, nous avons été élus pour qu'il y ait des changements, pour être au diapason des espoirs créés. C'est important comme défi, et nous mesurons bien la responsabilité que nous avons, justement, à commettre des politiques publiques, à redorer le blason de l'action publique. Et effectivement, dans cette transversalité, la question de la culture est au cœur. Pourquoi ? Parce que je considère que la culture, c'est un peu le liant. La culture, c'est ce qui nous permet aussi de comprendre une société qui est de plus en plus complexe et que certains s'évertuent à dépeindre de manière binaire, 0 ou 1, tout noir, tout blanc. Non, la réalité, elle est beaucoup plus, j'allais dire, diverse que cela. C'est une vraie mosaïque et je crois que on a besoin de s'appuyer là-dessus et sur la richesse. J'ai beaucoup apprécié ce que disait tout à l'heure encore Mama sur quand on lui a dit qu'elle était capable. Et je crois que c'est ça qu'il faut essayer de transmettre. C'est cette émotion positive qui permet justement à nos cerveaux de nous épanouir et puis de montrer qu'on est capable de changer les choses et que même dans certains domaines, je crois qu'il faut accélérer les choses. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, sur les inégalités hommes-femmes, je ne dis pas cela de manière opportuniste parce que hier, c'était le 8 mars, c'est la journée internationale pour les droits des femmes, mais qu'est-ce qui fait qu'on aurait, j'allais dire, un temps long à passer pour y arriver ? Rien. Rien ne peut le justifier. Donc, sauf la volonté politique, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire la volonté citoyenne. Et il y a eu des accélérations ces dernières années, il y a eu effectivement des évolutions, mais il faut que ça aille encore plus vite. Plus vite. Merci beaucoup, Jean-Marc Coppola. J'entends dans cette journée un éloge de la confiance, un éloge de la reconnaissance, un éloge de la coopération. Alors, toutes ces valeurs, évidemment, elles sont extrêmement positives et on a envie de les défendre et de les promouvoir. Mais ce que nous savons aussi, c'est qu'il faut les transformer, évidemment, en actes. Et c'est le plus important, c'est ce qui nous attend de façon impérative. Je voudrais, pour conclure cette journée, eh bien, adresser beaucoup de remerciements à vous, Marini Criello et Jean-Marc Coppola, et aux institutions que vous représentez, bien sûr. À Francesca Poloniato, si vous permettez, en premier lieu, et à l'équipe du ZEF qui a organisé cette journée d'une manière vraiment incroyable et en nous permettant de toutes les facilités possibles pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions possibles, qu'elle soit retransmise en direct sur les réseaux sociaux. Donc ça mérite en tout cas quelques applaudissements pour le ZEF. Je fais encore un petit signe à mon équipe, à l'équipe de l'Observatoire, qui a encore quelques journées de dur labeur devant elle jusqu'à la fin du mois de mars, jusqu'à ce qu'on, au moins, parce qu'après, il y aura encore bien d'autres enjeux à porter dans les mois et les années suivantes. Je voudrais remercier la ville de Marseille, bien sûr, la région sud, la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'université d'Aix-Marseille, Arsud, Marcel, le média des solutions, ben, toutes celles et tous ceux qui sont encore dans la salle là maintenant, qui ont nourri cette journée, qui y ont contribué. Puis je voudrais aussi adresser un petit mot aux internautes qui nous ont suivis, parce que je sais qu'ils étaient quand même assez nombreux, et qui ont aussi contribué, qui nous ont adressé un certain nombre de questions qu'on a essayé de relever, même si on n'a pas toujours pu évidemment répondre à toutes ces questions. Permettez-moi de vous donner rendez-vous du 23 au 26 mars depuis Grenoble, parce que là encore, nous ne pourrons pas accueillir un large public, du 23 au 26 mars pour réfléchir ensemble à ce que pourrait être
une politique de la relation par les arts et la culture. Merci. Merci à vous.